As an Indigenous woman from my community, it is very important that we speak for ourselves and not speak for other people. And without them, everybody here to speak for themselves, we cannot have an equal gathering and move forward in a balanced way. And this is unfortunate because that means we have a long way to go before we win our fight against the nuclear monster. So, thank you. Donc cet atelier qu'on a intitulé « Nucléaire et finances, le pouvoir des lobbies contre la démocratie », c'est un travail qu'on a développé à TAC depuis un certain temps, voyant que, ça va être le contenu d'atelier, qu'entre ces deux secteurs, il y a des analogies très importantes sur lesquelles on voulait insister, dénoncer et sensibiliser un maximum de gens. Cet atelier va se composer de la manière suivante, c'est-à-dire Dominique va démarrer en présentant les différentes analogies entre ces deux secteurs et en insistant plus particulièrement sur ce qui se passe dans le secteur de la finance. Et ensuite, Roland nous parlera un peu des lobbies au niveau du secteur du nucléaire. Et moi, j'interviendrai à la fin sur toutes les questions de lutte et de résistance. Donc, je vous ai mis le livret, le petit rapport qu'on a rédigé la suite à ce travail qu'on avait engagé par ATTAC. Vous le prenez bien évidemment. Et il y en a suffisamment en nombre. Donc, si vous avez la possibilité de le diffuser quand vous rentrez chez vous, vous pouvez en prendre. Il y en a sur le stand d'attaque en bas, en quantité, donc vous pouvez aller vous servir. Okay. Donc on va laisser la parole dans un premier temps à Dominique. Vas-y. D'accord, bonjour. Donc, je ne suis pas présentée. Ben oui. Comme d'habitude. Ben, je te présente. Allez, Jacqueline Valvet. Et j'oublie tout. Vas-y, mais dis, précise que tu... qui est très investi à TAC sur les questions écologiques. Nous avons une grosse commission qui s'appelle Écologie et Société. On essaye de travailler depuis de pas mal d'années maintenant sur la question de la transition écologique et sociale en incluant toutes les dimensions de cette transition. Le nucléaire et la finance sont des éléments importants de ce travail. Merci pour la présentation. Je ne sais pas si c'est suffisant. Et vous êtes qui, monsieur Dominique? Alors, moi, je suis Dominique Pillon. Ben, vas-y, présente-moi, comme ça. Voilà, oui. Alors, je vais présenter Dominique Pillon, qui est économiste, qui a été, depuis la création d'ATTAC, membre du conseil scientifique d'ATTAC, et qui est maintenant membre du CERF, porte-parole d'ATTAC France. Ça va? Oui. Bien. Alors, on a pensé qu'il était important pour les citoyens, les citoyennes, mais aussi pour des gens comme vous, car je suppose que ceux qui sont dans la salle sont des citoyens, ils ont plutôt engagé, avertis, d'aborder la question d'une manière un peu différente, parce qu'on aura peut-être un peu d'entendre, mais qui est très complémentaire, sur la question des lobbies, vous verrez pourquoi, mais j'imagine que vous... Déjà, vous avez compris pourquoi on en a choisi cet ordre. Il peut paraître surprenant dans un premier temps d'avoir de dire mais pourquoi le nucléaire et la finance? Ce sont deux domaines tellement différents d'apparence. Bon, en fait, il y a des analogies incroyables entre les deux. C'est surtout là-dessus que je vais insister. Mais au-delà des analogies, il y a des interrelations profondes. Parce qu'on est dans un, on pourrait appeler un système économique, moi j'appelle en tant qu'économiste, le capitalisme financier ou financiarisé, où la domination de la finance, la logique financière s'étend sur l'ensemble de notre société, de tous les secteurs, le nucléaire y compris, et a des effets tout à fait importants, très souvent pervers, très pervers. Donc, il est important d'avoir un angle qui insiste, comme on le fait beaucoup à ATTAC, mais je pense que dans d'autres organisations c'est le cas, sur la finance, mais aussi les relations qu'elle peut avoir avec les autres domaines de l'économie et de la société. Je crois que c'est important pour bien situer les choses dans l'univers économique dans lequel nous sommes, et pas uniquement en France, évidemment, à l'échelle internationale, mondiale. Alors, si on s'intéresse, c'est quand on travaille sur ces deux secteurs,
on est quand même, et qu'on creuse un peu la question, on est assez étonné, le mot n'est pas trop fort, par les analogies qui existent entre ces deux secteurs. Première analogie, première ressemblance, c'est que dans la France en particulier, mais c'est vrai bien sûr dans d'autres pays, mais en France en particulier, ce sont deux secteurs extraordinairement importants. Importants par leur poids économique, bon, le poids économique du secteur bancaire est absolument considérable en France. Le poids économique du nucléaire est considérable aussi. Et quand je dis économique, il faut aller bien sûr au-delà, le poids politique. Car souvent, les deux vont ensemble, l'économique influence sur le politique et réciproquement. Donc ce sont deux secteurs qui ont un poids absolument considérable. Ils emploient aussi une main-d'œuvre, un grand nombre de salariés, hein, souvent des gens hyper compétents d'ailleurs, très qualifiés, etc., etc. Donc ce sont deux secteurs qui pèsent très lourd et qui sont donc de ce fait très puissants. Très puissants dans l'économie française, mais aussi à l'international. Et donc c'est important d'en être conscient. Mais ça, je crois que ce n'est pas une surprise pour vous. Et deuxième analogie, et là, ça peut paraître pour ceux qui ne sont pas avertis paradoxal, c'est que ce sont des secteurs puissants, mais en même temps en pleine crise. En pleine crise, proche, et dans le cas du nucléaire, on y reviendra, puis on parlera mieux point, c'est, on peut dire, proche de la faillite, c'est-à-dire qu'on a deux secteurs qui sont dans une situation extraordinairement fragile, au bord du gouffre, et d'ailleurs on ne sait pas ce qui va se passer dans le futur, mais en tout cas il y a déjà des précédents antérieurs, des drames dans le domaine nucléaire, dans le domaine financier, je n'ai pas besoin de vous les citer, évidemment, qui sont extrêmement importants. Mais cette faillite, ce système, cette faillite, elle est aussi, et là c'est l'économiste qui parle, elle est aussi industrielle, elle est aussi financière. Si vous regardez le secteur nucléaire, on peut dire que le modèle nucléaire tel qu'il fonctionne par exemple en France, par exemple les EPR, qui était supposé être le fleuron de l'industrie française, sont aujourd'hui en pleine faillite, en plein échec, malgré les apparences. C'est-à-dire qu'on les vend et on les construit à l'étranger, encore que je pense que les clients ne se bousculent plus pour les acheter maintenant. Et donc, ce sont des modèles en faillite. Pour la finance, c'est pareil. Nous avons écrit à TAC un bouquin qu'on a intitulé Le Livre Noir des banques. Dans ce bouquin, on a essayé de montrer, et je pense d'ailleurs que beaucoup de gens étaient d'accord avec nous, hein, avec qui on a pu discuter quand on a présenté notre livre, y compris certains journalistes, que le modèle de banque aujourd'hui qui fonctionne en France, qui est dominant, c'est les banques universelles, les très grandes banques, comme BNP Paribas, comme Société Générale, comme Crédit Agricole, qui sont des groupes qui sont à la fois extraordinairement puissants, notamment par leur taille, mais qui sont extraordinairement vulnérables aussi. On retrouve cette ambivalence, d'un côté très puissant et de l'autre côté extraordinairement vulnérable. Ils ont été à l'origine de la crise des années 2007-2008, la crise dite des subprimes qui a commencé aux États-Unis mais qui s'est étendue notamment en Europe et maintenant qui se développe dans d'autres régions comme par exemple la Chine. Donc ces modèles-là sont des modèles extraordinairement fragiles et donc on a à la fois des mastodontes, qu'on appelle quelquefois d'ailleurs des banques systémiques. C'est-à-dire que si l'une d'entre elles est en faillite, c'est tout le système bancaire qui risque de s'effondrer, comme on l'a pu le voir en 2008, quand il y a eu la faillite de Lehman Brothers, une banque américaine. Ce type de faillite pourrait se reproduire parce que leur modèle, leur fonctionnement, leur business model, comme disent les Anglo-Saxons, c'est un business model extraordinairement fragile, aussi fragile, pour des raisons évidemment complètement différentes, que le business model aujourd'hui d'EDF et d'Areva et ainsi de suite. Donc on est vraiment dans des secteurs extraordinairement fragiles et en crise. Et alors, la conséquence de ça, c'est que s'ils subsistent aujourd'hui, s'ils continuent d'exister, c'est qu'ils sont portés à bout de bras par l'État et par les aides publiques. C'est-à-dire qu'en fait, secteur en crise, mais secteur sous perfusion, sous aide, non seulement sous soutien financier, mais sous soutien politique de la part de ceux qui nous gouvernent. Qu'on peut appeler l'oligarchie politico-financière, les différents gouvernements, appelez ça comme vous voulez, mais les pouvoirs aujourd'hui soutiennent ces secteurs. Le nucléaire français ne pourrait plus exister, n'existerait plus, si, depuis belle lurette, s'il n'était pas soutenu, perfusé, aidé par les pouvoirs publics. Pareil pour les banques, on peut démontrer que les grandes banques, aujourd'hui, n'existent et ne peuvent être aussi puissantes que parce que derrière, il y a ce qu'on appelle une garantie implicite de l'État, qui est, vous connaissez l'expression, too big to fail, trop gros pour faire faillite, c'est-à-dire qu'elles sont tellement grosses que
le moindre problème qu'elle rencontre risque d'avoir un effet massif sur le système bancaire, non seulement français, mais maintenant mondial, parce que tout ça est mondialisé. Et du coup, les pouvoirs publics sont tétanisés, en quelque sorte, avec ce risque, et donc soutiennent la moindre alerte, interviennent pour les soutenir. Et donc ça, ça induit des comportements, d'ailleurs, de la part des dirigeants, de prise de risque supplémentaire, parce qu'ils savent qu'ils seront soutenus en cas de difficulté, donc ils se disent, pourquoi pas prendre plus de risques encore. Donc, voyez le donc, cette analogie nous paraît très importante, parce que ce sont donc des secteurs très puissants, et pourtant, donc, au bord du gouffre, extraordinairement fragiles, et qui continuent d'exister, en fait, et de fonctionner, avec l'apparence de la puissance et du succès, parce qu'ils sont portés à bout de bras par les États, et donc par nous, les contribuables en particulier, puisque c'est l'argent public qui est derrière, d'ailleurs tout ça. L'autre élément important qui nous a semblé essentiel à mettre en avant, c'est la dimension idéologique. La dimension idéologique, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, tout est fait en matière de communication, en matière d'explication, d'analyse, etc., pour nous dire que ce sont des secteurs qui sont supérieurs, en tout cas qui ont des qualités extraordinaires. Je vais en citer un ou deux, hein, on pourrait développer déjà dans la discussion. Hein. Tout ça, ce que je dis, c'est pour introduire la discussion. Si vous prenez la finance, par exemple... Ah, voilà. Venez. Eh bien, on nous dit la finance, aujourd'hui, est capable de s'auto-réguler. C'est-à-dire que le marché, par lui-même, est capable de trouver les solutions pour que le système économique continue de fonctionner, trouve les bons financements pour aider les financement des innovations, pour aider au financement de la transition, etc. Et on nous fait croire que par lui-même, ce système financier-là est capable de trouver des solutions, alors qu'en fait, on sait très bien que la crise récente a montré que c'était faux. C'est que quand on laisse le système libérer à lui-même, et qu'on ne le régule pas assez, qu'on ne l'encadre pas assez fortement, eh bien, par moments, il déraille fortement, comme ça a été le cas en 2007-2008, et comme cela va recommencer peut-être demain, parce que on n'a pas fait les réformes qui s'imposaient à la suite de la crise. C'est aussi un des points sur lesquels on insiste. Comme on n'a pas fait les réformes suffisantes dans le domaine du nucléaire, d'ailleurs, ou de l'énergie en général, la politique d'énergie, la transition, eh bien, ça, des nouvelles crises, des nouveaux drames nous pendent évidemment au bout du nez. Et donc, ça, c'est quelque chose qui me paraît important de mentionner, c'est cette dimension idéologique. Par exemple, pour le nucléaire, on apprend aux petits Français à l'école que nous avons, et c'est vrai, des savants, on pense à Curie, etc., des savants qui ont été tellement extraordinaires, hors du commun, c'est eux qui ont amené cette industrie et cette avance française dans le domaine du nucléaire. Et donc ça, c'est quelque chose qui fait partie du subconscient collectif français. Autre chose, qui n'est pas... Beaucoup de gens se présentent comme des héritiers au niveau du personnel politique, du gaullisme. Et c'est De Gaulle, finalement, qui a amené cette idée d'armes nucléaires, de développement du nucléaire, ensuite relayée par d'autres personnes. On pense à la période des chocs pétroliers avec Giscard d'Estaing et ainsi de suite, comme le nucléaire nous rendra indépendants, donc notre souveraineté énergétique, notre souveraineté nationale, etc. Donc vous voyez, et tout ça, c'est dit en permanence, ça fait partie du discours, et c'est les gens sont totalement déformés par ce type de discours. Voilà, donc cette dimension sera idéologique et essentielle pour bien comprendre pourquoi ces systèmes restent si puissants en dépit du fait qu'ils sont en crise, etc. Et puis, l'autre point sur lequel on insiste, et là j'en arrive à la question des lobbies, je ne vais pas être trop long, c'est que ce sont des secteurs où il y a, une imbrication profonde et très dense entre les intérêts privés et le secteur public. D'accord ? Et deux, des secteurs qui sont dominés par une technostructure. C'est-à-dire, prenez le nucléaire, ou prenez la finance. Il y a l'analogie suivante, je suis sûr que vous la connaissez, mais c'est bien de le dire pour qu'après on n'hésite pas à l'expliquer autour de nous, parce que tout le monde n'en est pas forcément conscient. Vous prenez en France, vous avez les grands corps de l'État. Vous avez deux grands corps. Le corps d'ingénieurs des mines, la botte de polytechnique. Vous avez le corps des inspecteurs généraux des finances, la BOC de l'ENA, l'École nationale d'administration. Ces deux corps, à eux seuls, représentent un pouvoir extraordinaire dans la haute administration. Pour le nucléaire, évidemment, ce sont surtout des ingénieurs des mines. Et dans le domaine de la finance, les inspecteurs généraux des finances. Vous regardez qui dirige les grandes banques en France, ce sont tous des inspecteurs généraux des finances. Qui
dirige aujourd'hui le pays? Un inspecteur général des finances. D'accord? C'est-à-dire c'est des gens qui sont extraordinairement organisés, qui ont un esprit de corps très important, qui transcendent les soi-disant différences politiques, hein, et qui sont aujourd'hui, qui tiennent le pays d'une manière extraordinairement importante. Et autant dans le domaine du nucléaire, on voit des personnalités du genre Anne Lauvergeon, par exemple, qui a été à l'Élysée, puis après qui s'est retrouvé à la tête d'Areva. On voit Emmanuel Macron qui a été à Bercy, puis qui a été ensuite à Rothschild et qui se retrouve à l'Élysée et puis qui devient président de la République. C'est des gens qui aujourd'hui sont extraordinairement organisés et puissants, et leur trajectoire pose des problèmes redoutables, ne serait-ce que non seulement sur le plan de la démocratie, parce que leur pouvoir est tel qu'ils sont capables de contourner toutes les décisions que pourrait prendre un gouvernement élu légitimement, mais deuxièmement, il y a des problèmes de conflit d'intérêts. Vous connaissez certainement cette notion importante, c'est-à-dire qu'on a des gens qui sont à Bercy et qui sont supposés, par exemple, diriger ou réguler les banques, qui savent que demain, ils seront dans une banque où ils vont multiplier par 10 ou 15 ou 20 leur salaire, et qui donc ne va certainement pas prendre des mesures restrictives d'encadrement sur ces banques qui sont demain leurs employeurs de demain. Vous voyez, il y a des problèmes. On appelle ça donc les pantouflages, les portes tournantes, quand on passe l'administration vers une banque ou vers une entreprise du secteur industriel et on revient ensuite vers l'administration et ainsi de suite. Et ça, c'est ça qui pourrit complètement le système et qui fait qu'il est incontrôlable pour les citoyens, pour les électeurs, et qu'il y a donc un vrai problème de démocratie. C'est pour ça qu'on a mis dans le titre de notre document, là, on a posé la question de la démocratie. S'il vous plaît, vous pouvez développer ce que c'est. Alors, oui, excusez-moi. Oui, ce qu'on appelle les portes tournantes, c'est le fait que, vous voyez ce que c'est que dans un grand hôtel, oui, en tournant, c'est des portes qui tournent. C'est des gens qui vont. Ce qu'a fait Macron, voilà, c'est je suis inspecteur de finance, Édouard Philippe, ou voilà, et on pourrait en citer beaucoup d'autres, qui passent, ou Anne Lauvergeon, c'est des gens qui passent du public au privé, c'est-à-dire qu'ils vont par exemple commencer reçus brillamment dans une grande école, l'école d'ingénieurs comme Lénine, ou bien à l'ENA, l'École nationale d'administration, et se retrouver inspecteur de finance, ils vont aller à Bercy, puis après ils vont aller dans la banque, par exemple, ou dans une entreprise industrielle du secteur de l'énergie, vont ensuite revenir éventuellement dans le public pour repartir et ainsi de suite. Donc ils font un circuit comme ça, circulaire, un peu comme les portes tournantes. L'autre mot que vous connaissez, c'est le pantouflage, je suppose. Celui-là, vous le connaissez. Mais... Alors on a un site d'ailleurs qui s'appelle Stop Pantouflage, quelque chose comme ça. Pantouflage Watch, vous pouvez aller voir, où on essaie de recenser tous les gens, toutes les personnes qui font ce genre de pratiques, hein, du pantouflage, des plaques tournantes et ainsi de suite. Donc ça c'est vraiment, des plaques tournantes, c'est vraiment un phénomène très 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 général. Voilà. Et donc, il y a un vrai problème. Vous connaissez tous le sociologue Bourdieu. Bourdieu a écrit un bouquin qui est assez remarquable, qui lui avait beaucoup d'amitié d'ailleurs dans la haute sphère administrative française, qu'il a intitulé dans les années 80, hein, en 86 je crois, qu'il a intitulé « La noblesse d'État ». C'est-à-dire que le titre parle de lui-même. C'est-à-dire qu'il explique que finalement en France, on a reconstitué une sorte de noblesse, comme celle qui existait avant 1789, qui tient le pays, mais donc, qui tire son pouvoir précisément d'être sorti de ses grandes écoles, qui forment, et qui sont des gens souvent extraordinairement brillants, il n'y a pas de doute, hein, qui sortent de ces grandes écoles et qui ont les rênes du pouvoir, et qui tiennent le pouvoir. Et je voudrais terminer par cette idée qui me paraît très importante, c'est que ces gens-là, regardez par exemple le président de la République, se prétendent des gens modernes, des gens qui veulent réformer, mais en fait ce sont les plus conservateurs que vous pouvez imaginer. C'est pour ça que j'aime bien le mot de noblesse d'État. C'est des gens qui sont là pour résister, garder leur pouvoir, qui verrouillent le système et empêchent son évolution. La non-application de la loi sur la transition, par exemple, dans le domaine de l'énergie, le fait qu'on ait une loi bancaire en France qui a été voté en 2013, qui est ridiculement timide, tout ça provient de ce que derrière il y a ces acteurs, qui sont les acteurs majeurs des lobbies, et qui verrouillent le système, empêchent, sont un facteur de résistance et de conservatisme. Donc si vous voulez, c'est exactement l'opposé du message qu'on nous fait passer souvent, en disant, nous allons réformer, nous sommes les gens qui savons, et sachant, et nous savons ce qui est bon pour vous, ce qui est bon pour l'intérêt général, alors qu'en fait, objectif principal, d'abord, c'est de garder le pouvoir, de maintenir le système qui fonctionne. Ils ont sans doute la conviction, peut-être, ils sont sincères, que
le système fonctionne bien tel qu'il est, il n'y a pas de raison de le changer, et que donc c'est une force de résistance et d'empêchement des réformes. Et donc, pour ceux d'entre nous et celles d'entre nous qui voulons réformer profondément le secteur de l'énergie ou le secteur de la finance, eh bien là, on a le principal obstacle que nous avons aujourd'hui, c'est celui-là. Ce sont ces acteurs, ces lobbies, et, qui sont extraordinairement organisés et puissants. Et donc pour nous, et on en parlera tout à l'heure, il faut qu'on adapte nos formes de résistance à nous, d'opposition et de proposition d'alternative, à l'existence de ces lobbies, à l'existence de cette technostructure extraordinairement puissante, car si on s'attaque pas à elle, eh bien, le système restera en état et on va au-devant de catastrophes. Je ne suis pas spécialiste du nucléaire, je travaille un peu plus sur les questions de finances, je fais partie des économistes. Nous avons d'ailleurs écrit un livre l'année dernière qui s'intitule « Cette crise qui dure, par ici la sortie », et dans laquelle on développe un certain nombre d'éléments, pas que économiques, hein, même si on parle des questions écologiques dans ce bouquin, mais nous, on pense que dans le domaine de la finance, par exemple, on va probablement avoir de nouvelles crises. C'est presque certain parce que le lobby bancaire et financier a tellement verrouillé les choses qu'il a empêché que l'on fasse les réformes qui s'imposaient pour rendre plus sûr le système financier. Et que donc, on pense que on aura nécessairement, inévitablement, on ne peut pas dire quand évidemment, des crises futures dans le domaine de la finance, c'est presque sûr. Et donc, c'est dramatique parce que ces crises, comme on le vit aujourd'hui, avec la crise de 2007-2008, elles durent longtemps, elles sont très profondes, elles ont un coût économique, social, profond, un coût politique aussi, très important, or, elles sont susceptibles de se reproduire. Et donc, vous voyez, c'est vraiment, alors, je ne veux pas vous désespérer en disant tout ça, parce que si le système est largement verrouillé, à nous, citoyens, citoyennes, bah, de nous organiser pour, voilà, pour le déverrouiller. Je crois que c'est ça un des enjeux de la période actuelle et pourquoi le mouvement citoyen, le mouvement social, les organisations qui se battent aujourd'hui ont un rôle si important parce que sans elles, probablement, ce déverrouillage ne se produira pas. Donc on a une sacrée responsabilité. Voilà. Merci Dominique. On va continuer avec Roland qui va nous faire un petit point sur comment fonctionnent les lobbies dans le secteur nucléaire. Bien, merci. Je vais essayer de vendre à l'intervenir dans un atelier où a priori je n'ai aucune compétence, puisqu'on parle de finance. Je n'ai pas de compétence dans le domaine de la finance. Donc je vais parler de ça. Vous n'entendez pas bien là au fond? Je vais essayer de parler plus fort. Oui, vous entendez plus fort, c'est pas tout ça. Pardon. Donc, l'organisation du nucléaire en France est très particulière. On pourrait penser que le nucléaire en France, c'est le même qu'aux États-Unis, en Chine, etc. Son organisation, son histoire d'ailleurs, est très différente. Et là, je vous conseille la lecture d'un livre qui m'a beaucoup appris sur comment ça s'est organisé tout ça. Je ne vais pas refaire le bouquin. C'est un bouquin de Gabrielle Hecht, qui est une historienne qui vit aux États-Unis, mais qui a travaillé à partir des archives authentiques, comment s'est organisé le nucléaire en France. Et moi, j'ai appris beaucoup de choses. Alors évidemment, on sait toujours que nucléaire civil, nucléaire militaire, ça a avancé un peu ensemble, tout en se bouffant le nez en même temps, donc entre nucléaire, Areva, c'était pas Areva à l'époque, c'était Framatome, et EDF, le CEA là au milieu, etc. Bon. Je vous conseille, ça s'appelle le rayonnement de la France, et c'est vraiment instructif pour savoir comment on en est arrivé à la situation d'aujourd'hui. On était sur des sociétés qui étaient des mastodontes, effectivement, comme tu dis, je suis d'accord, mais qui étaient publiques, avec des intérêts privés là au milieu, c'est vrai, et on retrouve bien ça dans le bouquin de Gabriel Hecht, on voit comment le privé va s'associer au public pour pouvoir gérer ces mastodontes. Et on a carrément privatisé, alors de droit, ces sociétés, Areva et EDF, puisque tout s'est regroupé à l'intérieur d'Areva d'un côté et EDF de l'autre. En gros, de la mine à la centrale, et après la centrale, pour retourner à la centrale, et la centrale, c'est EDF. Areva d'un côté, EDF de l'autre. Cette organisation, c'était, sous le nom de. Ça a été privatisé, rappelez-vous. Qu'est-ce qu'on en a gagné? Eh bien, on était censé rentrer dans un système qui était, je dirais, libéral. Bon. Sauf que les capitaux sont restés d'État,
mais les sociétés sont de droit privé. Ça, ça crée une situation qui, pour moi, pose vraiment problème. On a ainsi, pour contrôler ces sociétés, c'est l'État, si vous voulez, qui a un double rôle. D'un côté, il est actionnaire du nucléaire, donc il a intérêt à, évidemment, économiser de l'argent, que l'argent arrive, que les actions montent, etc. Et de l'autre côté, vous avez l'État régalien qui fait les lois, qui, elles, sont censées nous protéger par rapport au risque nucléaire. Alors, il y a un conflit d'intérêts majeur dans cette situation, puisque l'État, d'un côté, c'est celui qui promeut le nucléaire, on le sait, et c'est celui qui est censé nous protéger du risque nucléaire en mettant des normes, en édictant des normes, des règlements qui soient les plus stricts possibles, les plus protecteurs possibles. Or, on sait que la protection, ça coûte. Alors, aujourd'hui, c'est intéressant de voir que le gendarme du nucléaire, lui-même, on est censé avoir le meilleur gendarme au monde. Or, le gendarme du nucléaire, eh bien, l'autorité sur le nucléaire, dite indépendante, mais financée, c'est l'État qui verse l'argent pour ça. Et on sait très bien qu'il y a un conflit majeur depuis quelques années entre l'ASN, l'autorité sur le nucléaire, le gendarme, et l'État. Parce que l'ASN demande plus de moyens pour faire son boulot, et l'État qui dit non, non, ça suffit. Et du coup, effectivement, l'ASN ne peut plus faire son travail. Alors, je ne lui donne pas raison, je dis elle a tort, on n'a pas le meilleur gendarme, la preuve, c'est qu'il a été incapable, notre gendarme, de nous protéger de malfaçons, de dérives très graves dans la fabrication de l'EPR, mais pas seulement, etc. Le gendarme, en fait, ne sanctionne pas. Le gendarme n'a pas de moyens, il n'a aucun outil. Un gendarme, là, c'est comme un gendarme qui n'aurait pas de contrôle de vitesse, d'appareil pour contrôler la vitesse sur les routes. Il ne peut pas contrôler la vitesse, il ne pourrait pas vous verbaliser. On a un gendarme qui est sans moyens. Et du coup, il faudrait le reconnaître et dire un autre gendarme, en gros, il ne sert à rien. Voilà. C'est une industrie à risque, le nucléaire. Et normalement, à partir de 1979, Three Mile Island, accident grave, une centrale nucléaire américaine, où on est dans la société libérale. C'est-à-dire on a des sociétés privées, on a l'État de l'autre côté. Les choses sont claires, au moins. Eh bien, les assureurs disent, nous, ce risque-là, on ne l'assure pas. Normalement, le nucléaire aurait dû s'arrêter ce jour-là, parce qu'il est inadmissible, impossible, de fonctionner sans assurance. C'est clair. Tout le monde doit fonctionner à une assurance pour sa voiture, sa maison, etc., responsabilité. Tout le monde, sauf le nucléaire. C'est la seule industrie. Alors, on va dire, le risque, il est rare qu'il s'exprime, mais quand il s'exprime, il est énorme. C'est pour ça que les assureurs ont dit ce risque-là, nous, on ne l'assure pas. C'est pour ça qu'on leur demande simplement de prévoir une petite provision pour le cas où. Mais on est très, très, très loin du compte. Nous, avec les estimations qui sont faites aujourd'hui à partir de Tchernobyl, Fukushima, on estime qu'à peu près un millième seulement des gens seraient indemnisés, ou ils seraient indemnisés à un millième du dégât provoqué. On est très très loin du compte. Normalement, on aurait dû arrêter le nucléaire à ce moment-là à cause de ça. Aujourd'hui, se pose la question, comme toutes les industries à risque, comment le risque est justifié ? Un risque, on peut bien le prendre, mais il faut qu'il y ait une bonne raison. Or, le nucléaire, et ça c'est un dossier sur lequel nous on essaye de travailler la CRAM, quelle est la justification du nucléaire ? Au départ, la justification c'était atomes fort puissants, on n'a pas de nucléaire, mais on n'a pas de pétrole, mais on a du nucléaire, etc., etc. Les justifications, elles étaient grossières, c'était des grosses ficelles, elles étaient fausses, mais aujourd'hui, toutes ces justifications, elles ont volé en éclats. Donc aujourd'hui, il n'y a plus de justification dans le nucléaire de prendre des risques par rapport à cette industrie. Cette justification, elle entraîne, de principe, elle entraîne des normes sur l'environnement, sur les doses que nous recevrons en cas d'accident, sur les rejets des installations nucléaires, sur les impacts environnementaux, sur les déchets, etc. Or, ces normes sont toujours basées
sur une justification de principe. Moi, j'estime qu'on devrait, ça devrait être un principe, de demander au nucléaire, comme à n'importe quel industriel, vous présentez des risques dans votre activité, eh bien, vous devez les justifier. Les rappeler, dire en quoi le nucléaire aujourd'hui est justifié. Après, on discutera évidemment des conséquences éventuelles du risque, etc. D'accord ? Je voudrais rappeler le projet Belbeoc a écrit plusieurs bouquins justement sur cette justification du nucléaire, puisqu'on sait que le nucléaire ça fait des morts, ça fait des maladies, on sait, etc. Et sauf qu'on a, une difficulté à donner le prix d'un mort, on parle de prix d'un mort, le prix d'une maladie. Alors, les assurances, c'est de ça à faire, hein, ça, mais je ne sais pas. Mais dans le nucléaire, le problème, dans la radioactivité, le problème, c'est que les morts sont anonymes. Vous ne pouvez pas dire nucléaire, je suis mort ou j'ai une maladie due à la radioactivité. La science et la justice ne le permettent pas aujourd'hui. C'est-à-dire que ces morts sont anonymes, sont statistiques, comme disait Roger Belbeoc. Alors, si vous en êtes victime, évidemment, ça vous fait une belle langue de savoir que vous êtes un mort statistique. Le mythe de départ de l'électricité, c'était ce sera une électricité pas chère. Et moi, je me souviens, dans les années 60, elle sera tellement pas chère qu'on aura du mal à en fixer le prix. Elle sera tellement abondante, etc., qu'on aura du mal à en fixer le prix. Ça, ce qu'on nous a dit, je suis désolé, je l'ai entendu. C'était évidemment totalement faux. Et aujourd'hui, les vrais coûts du nucléaire explosent complètement. Et je voudrais rappeler le rapport de la Cour des comptes. C'est normalement leur travail de faire le coût de l'électricité d'origine nucléaire. Et là-dedans, il y a des choses pas inintéressantes. Elle a travaillé sur les comptes d'EDF, sur la recherche, etc. Elle soulève plein de petits problèmes, mais en gros, c'est des petits problèmes. Ce n'est pas des problèmes si graves que ça. Oui, le coût officiel est sous-estimé. Mais dans un pourcentage qui reste acceptable, d'après la Cour des comptes. Or, elle est passée complètement à côté, la Cour des comptes, de deux problèmes. Un, les déchets. Au moins deux. Enfin, il y en aurait plein d'autres, mais au moins les déchets. Le coût des déchets. Le coût de la gestion de murs, par exemple. Le coût de tous les autres déchets, les déchets miniers, les déchets, etc., a été complètement passé à côté par la Cour des comptes. Volontairement ou involontairement, j'en sais rien. Mais en tout cas, les coûts réels que subiront les générations à venir, ils sont totalement différents de ceux qui figurent là-dedans. Deux, quel est le coût d'un accident? C'est-à-dire, combien il faudrait que EDF paye comme assurance, s'il voulait s'assurer auprès d'une assurance privée, comme nous sommes tous assurés. Et là, quand vous assurez pour une maison qui vaut 200 000 euros, ben, vous savez combien ça coûte, vous s'assurez contre le vol, l'incendie, etc., la perte du bien. Si vous voulez assurer un dommage de l'ordre de 1 000 milliards d'euros, ce qui est au minimum le coût d'un accident nucléaire, pour ne pas faire grand-chose, mais au moins faire le minimum, 1 000 milliards d'euros, eh bien, évidemment, les sommes à payer en tant qu'assurance seraient totalement différentes. Mais ça veut dire que EDF ne les intègre pas dans son coût d'électricité d'origine nucléaire. Alors, j'allais bientôt terminer. Le nucléaire va disparaître. Certitude pour moi. C'est devenu une certitude. J'avais l'impression qu'il serait éternel, presque comme les déchets. Dans combien de temps je ne sais pas dire l'avenir, mais je sais qu'il va disparaître parce qu'il ne peut plus continuer comme là. Il est déjà rentré dans le mur. Mais pas le mur, scientifique ou technique. Ils vont toujours se sortir de l'EPR ou de ça. On peut leur faire confiance. Ils sont bien organisés pour. Hein. Par contre, le mur économique, là, à mon avis, il va être trop dur à franchir. Il est tellement énorme. Il est rentré dans le mur et il va disparaître à cause de cette raison qui, pour moi, est une raison qui est totalement idiote,
qui ne mériterait pas qu'on s'y intéresse. Mais il va disparaître, alors que pour moi, j'ai milité contre le nucléaire depuis très longtemps. Les bonnes raisons pour lesquelles j'ai milité, comme la plupart d'entre vous, elles sont là sur la table. Les preuves sont là. On avait raison. On ne nous a pas entendus. Ça, c'est un problème de démocratie quand même. On ne nous a pas entendus. Mais en fait, ce n'est pas pour ça qu'il va disparaître. Ce n'est pas pour l'accident, ce n'est pas pour les déchets, c'est pas, etc. C'est parce qu'il y a un coup derrière qui explose et qu'on est obligé de renflouer un tonneau des Danaïdes. Bon, bah, à un moment donné, les caisses seront vides. Alors, juste pour terminer et pasticher, sur une note d'humour, comme tu disais tout à l'heure, nous sommes au bord du gouffre. Ça, c'est un discours en politique. Et en général, ça se termine par « et nous avons fait un pas en avant ». Ok. Merci. Merci, Roland. Bon, alors pour introduire le débat bon, sur lequel on pourra revenir sur des précisions de ce qui a été dit, on aimerait aussi que le débat puisse se faire sur les luttes et les résistances. Comment tout ce qui a été exposé ici entre finance et nucléaire, on peut arriver à élargir les luttes et à obtenir des résistances plus importantes de la part d'une grande population. Donc, bon, aussi bien Dominique que Roland ont bien dit qu'il est absolument essentiel de continuer à dénoncer, à pointer ces inepties qui sont... on en écrit des livres, hein, on a écrit cette petite note, mais on pourrait en écrire beaucoup plus. D'ailleurs, on va peut-être y atteler. Le dire, le faire savoir, le diffuser au maximum, le passer dans tous les réseaux qui sont possibles, parce qu'actuellement, on a effectivement une obstruction totale de la part des médias pour essayer d'élargir la zone d'entente, que les gens puissent entendre ce qu'on voudrait bien dire. C'est vrai que le nucléaire, en particulier le nucléaire, mais la finance aussi, quand on en parle, ben les journalistes ne viennent pas. Ici, on avait invité, pour vous donner un exemple, on a invité les journalistes, bon, il y a eu des conférences de presse, ils ne sont pas venus, on a invité les journalistes ici, il y a une personne d'une radio qui est venue, alors qu'il y a beaucoup de monde, qu'il y a beaucoup d'internationaux qui sont présents. Bon. Donc il faut continuer inlassablement, même si c'est difficile, et petit à petit essayer d'élargir le cercle pour faire entendre et dénoncer tout ce qui se passe dans ces secteurs. Organiser des débats, bon, faire en sorte que ça se sache davantage. Ça, c'est un travail que nous devons continuer à mener inlassablement. Un autre type d'action, parce que c'était effectivement insuffisant, puisqu'on voit bien que ça produit peu d'effets, mais bon, même si c'est utile et indispensable, c'est insuffisant. Il est aussi une deuxième étape, c'est aussi absolument indispensable de désobéir, c'est-à-dire de ne pas faire que des actions gentillettes où on vous informe, on vous dit voilà ce qui ne va pas, messieurs, dames, faites quelque chose, criez-le, allez interpeller vos députés. Non, il faut montrer qu'on n'est pas d'accord là-dessus. Il faut le montrer par des actions physiques qui n'ont rien de violent, hein, mais montrer, aller là, sur les lieux où la perversion s'exerce dans tous ces secteurs, et montrer que ça, on n'est pas d'accord là-dessus. Moi, je voudrais, à ce propos, je voudrais signaler, alors bon, c'est un petit peu d'histoire, mais je voudrais signaler des luttes de désobéissance, des actions de désobéissance qui ont eu lieu dans les années 80 de manière assez extraordinaire, qui sont des actions féministes. C'est pour ça que j'en parle avec encore plus de plaisir.
et qui ont eu lieu aux États-Unis et en Angleterre, dans les pays anglo-saxons. C'est-à-dire au moment du développement de la guerre froide, les États-Unis ont voulu ont développé leurs missiles et tous leurs engins militaires et ont voulu les entreposer un peu partout pour faire face à cette URSS terrifiante. Et donc, il y a eu une prise de conscience très importante des femmes. Les femmes ont envahi le Pentagone en novembre 1980. 2000 femmes ont encerclé le Pentagone, sont restées, bon, et après ont développé d'autres actions très importantes. Ça s'appelle Women's Pentagon Action, et ça vous pouvez trouver des références. Ça a été après la catastrophe de Three Mile Island et le développement du nucléaire militaire. Et je voulais signaler aussi d'autres actions de désobéissance qui ont été également très importantes en Angleterre, qui ont démarré à partir du site de Greenham Common, qui était un site de stockage de missiles de croisière, un petit peu au nord de Londres. Et je vous recommande ce livre qui s'appelle « Des femmes contre les missiles » qui explique un petit peu tout ça. Et là, c'est 30 000 femmes qui se sont mobilisées en Angleterre. Bon, avec des femmes qui venaient d'autres pays, des Pays-Bas, de Suède, surtout pas de France. Hein, parce que, comme vous le savez, en France, qui a pris le dessus sur la mobilisation contre le nucléaire militaire, hein, c'est le PCF, et le Parti communiste avait un petit peu de difficulté à se mobiliser pour faire face à la guerre contre la Russie. Donc, les Français ont été, les Françaises en l'occurrence, puisque c'est des mobilisations féministes, ont été totalement absentes. Mais il y a eu... elles ont envahi, elles ont encerclé, elles sont montées sur les silos, elles ont fait des dying, là où on s'allonge par terre, elles se sont enchaînées, il y a eu vraiment un nombre d'actions très très important pendant plusieurs années, hein, ça a duré plusieurs années. Donc je pense que, là maintenant, je ne sais pas comment il y a une mobilisation importante qui peut prendre, mais il faut quand même s'inspirer de ce qui a été fait, et cette question de désobéissance est très importante. On l'a fait à une petite échelle, mais ça a quand même eu des répercussions sur les médias, parce que l'intérêt des actions de désobéissance, c'est que là, les médias, ça les intéresse, parce qu'il y a des images un peu choc. Donc on l'a fait à Attac avec d'autres organisations, au niveau des banques, hein, avec ce qu'on a appelé les faucheurs de chaises, hein, on allait prendre des chaises dans les banques et on les mettait clairement en avant, et on les a déposées finalement devant le quai des Orfèvres pour qu'ils les récupèrent. Voilà. Donc ça, c'est des actions qui marquent, et ça marque tellement qu'il y a plusieurs copains qui se sont fait prendre par la police, qui ont été mis en garde à vue, et il y a des condamnations. Hein, on a une copine qui va passer en jugement là au mois de février. Voilà, donc ces actions de désobéissance, même si elles sont relativement à petite échelle, elles ont une portée parce qu'on en parle. Hein, et ça, c'est absolument essentiel de pouvoir en parler. Alors, bien sûr, il y a d'autres actions sur lesquelles... on travaille aussi avec d'autres organisations. Hein. Dominique a parlé de la loi de finances sur la régulation des banques. Arrêter la spéculation, essayer d'arrêter la spéculation, la spéculation des banques. La séparation des banques d'affaires et des banques de détail. Bon, ça aussi, c'est des actions qui se mènent avec d'autres organisations. Sur le nucléaire, comme le disait Roland, le minimum, ce serait qu'il y ait une autorité de sûreté nucléaire digne de ce nom. Le minimum. Bon. Et il a très bien expliqué que ça n'est absolument pas le cas. Et le troisième élément
de lutte et de combat, c'est effectivement de travailler sur les alternatives et de promouvoir les alternatives pour aussi essayer de mobiliser d'autres cercles de personnes. Parce que c'est pas l'idée de faire avancer les choses et de faire que ça change un jour, c'est que il y ait plusieurs cercles de personnes qui puissent entendre nos revendications. Et quand on parle d'alternative, ce n'est pas les mêmes personnes que celles qui viennent désobéir dans la rue ou que celles qui écrivent des notes ou des bouquins pour dénoncer toutes ces malversations. Voilà. Donc il y a tout un échantillon de luttes et sans doute d'autres auxquelles on n'a pas pensé qu'il nous paraît assez important de promouvoir ici et ailleurs. Voilà. Donc on va maintenant laisser un peu la place, on a un petit peu de temps hein, pour débattre, il n'y a pas de problème. Donc ce que je vous propose, c'est que dans un premier temps, si vous avez des questions plus précises sur les interventions de Dominique et de Roland, qu'on passe un petit peu de temps là-dessus. Puis après, moi, je pense que ce serait bien qu'on puisse voir au niveau des luttes, qu'est-ce qui vous paraîtrait intéressant, important d'essayer de mettre en route pour dénoncer tout ce travail pervers des lobbies et de nos représentants politiques. Voilà, à vous la parole. Bon, alors, on y va. On va commencer par les buts. 1, 2, 3, 4. Ah, il y en a une devant ? Il y a une dame devant, oui. Il y a une dame devant. Ah, pardon. Alors, on va commencer par la dame devant. Alors, la question, c'est que pour ceux qui sont devant, pour entendre la question, il faut soit se lever, soit... Se lever, oui. Je vais essayer de parler fort. Vous retournez-vous, s'il vous plaît. Oui, retournez-vous. Plus de gens derrière. On n'entend pas. Deux questions. Une, c'est qu'est-ce que... Plus fort. Non, on répétera si c'est bon. Qu'est-ce qui fait que les banques financent et pourquoi et d'où ça vient et qu'est-ce qu'on finance et qu'est-ce qui rapporte de l'argent ? Première question. Et la deuxième question, j'ai bien pensé à ça tout à l'heure. Il paraît qu'il y a eu des mines de plutonium ou d'uranium en France, pourquoi on n'enterre pas les déchets dans ces anciennes mines ? Les déchets dans les mines d'uranium. Vous avez entendu ? Ok, merci. On va continuer une première série de questions et après... Alors, vas-y. Oui, moi. Je pense qu'il y a une chaîne très importante entre les finances et les nucléaires. Et je pense que ça commence par la construction. L'investissement pour un réacteur nucléaire est de l'ordre de, mettons, 2 milliards, je me trompe peut-être, de quelques centaines de millions, mais de cet ordre-là. Donc c'est un prêt bancaire avec une garantie étatique, une quasi-garantie étatique, et ça commence déjà par là. La deuxième chose, c'est les assurances qui sont terribles et qui ne savent pas se faire d'ailleurs avec les Lloyds, c'est à nouveau l'État qui intervient, plus les autres choses que tu as très bien énumérées. Pour moi, ça me pose une question par rapport à ce qu'on admet comme théorie économique généralement dans nos milieux. On parle de néolibéralisme et tout le monde dit on fait moins d'État, toujours moins d'État. Et nous le sentons dans notre vie à nous, il y a toujours de moins en moins d'État, sauf l'été. Tandis qu'en fait, en face, il y a toujours plus d'État, toujours plus d'interventions étatiques pour les banques comme pour le nucléaire. Donc est-ce qu'on est pas plus dans une espèce de ordo-libéralisme où l'État très fort se met au service des très grands et se retire des services publics généraux, etc. Est-ce qu'il n'y a pas une espèce de changement de vision qu'on devrait avoir là. La dernière chose que je voudrais faire pour ajouter un peu de baume sur les plaies, c'est que si ça devient tellement cher de construire un nouveau réacteur EPR aujourd'hui, c'est parce que nous,
depuis 40 ans, sommes en train de casser les pieds au niveau de la sécurité aux gens qui exploitent et qui produisent des centrales, qu'ils sont obligés de mettre toutes ces précautions en plus, et ça devient impayable, mais c'est grâce à nous. J'ai oublié, est-ce que vous pouvez vous présenter? Voilà, oui, excusez-moi, oui, je m'appelle Léo Tubac, je représente une toute petite ASBL belge, Nucléaire Stockholm Energie, qui organise annuellement une manifestation contre les centrales. Merci. Alors, il y avait à côté, là... Philippe Lambersin, du réseau Sortir du Nucléaire. Moi, je voulais rebondir à la fois sur ce que disait Roland Desbandes. Je suis entièrement d'accord avec lui que c'est à cause de l'économie que le nucléaire va se casser la gueule. Et on pouvait, et on va dans le mur. Sauf que ce qu'on voit actuellement, on s'aperçoit qu'il n'y a pas de pilote dans l'avion pour passer au-dessus du mur, parce que c'est quand même ça important. Et c'est bien le problème du rôle de l'État. Là, on a eu, il y a une dizaine de jours, une délégation du réseau Sortir Nucléaire avec la DGEC. DGEC, c'est Direction Générale Énergie Climat. Les hauts fonctionnaires qui pilotent le ministère de Nicolas Hulot, qui d'un côté affirme qu'on va fermer un certain nombre de réacteurs, et puis quand on discute, quand on essaie de tirer un petit peu les vers du nez, on s'aperçoit que l'État, même s'il met des milliards et que c'est la moitié du déficit budgétaire de l'année, et que notre ministre libéral proteste contre le fait qu'il faille payer une industrie, qu'il faille relancer une industrie qui coûte très cher et la moitié du déficit budgétaire de l'année. En même temps, on a bien vu qu'il n'avait pas l'État les moyens de piloter EDF. Tout au plus, Hulot, il n'y a pas de pilote dans l'avion, tout au plus, Hulot est un steward en chef pour passer les plats. Mais c'est tout, parce que nous a bien expliqué la responsable de la DGEC, dans le conseil d'administration, les administrateurs nommés par l'État, il y en a 6 conseils d'administration d'EDF, il y en a 6, si jamais ils allaient à l'encontre de l'intérêt sociétal, pas l'intérêt de la société française, non, de la société EDF, ils pourraient être attaqués nommément par les administrateurs minoritaires qui diraient que, ben non, là, attention, si on ferme trop de réacteurs, on va dans le mur. Voilà. Donc c'est ça que je veux arriver à faire comprendre, c'est qu'il n'y a pas de pilote, manifestement, pour faire cette transition. Et quand on voit effectivement les problèmes qu'il y a pu y avoir avec les collusions entre l'histoire de Michel-Yves Bolloré qui rachète à 800 000 euros l'entreprise du Creusot et la revend à Areva 300 millions. Ouais. Hein? 170 millions. Voilà, bon, j'ai augmenté un peu le truc. Mais... 170 millions 3 ans après, c'est pour ça que je vais mettre le 3. 170 millions 3 ans après. On voit bien ce que dénonçait Dominique, les collusions privées-publiques, mais c'est donc nous, par nos impôts et toute l'économie française qui subventionne le nucléaire, mais il n'y a pas de pilote dans l'avion. Voilà. Ok, merci. Il y avait deux personnes derrière. Une, deux, après il y aura... On arrêtera, puis après on prendra un tour de parole. Donc une et deux, et on donnera la parole au... Vas-y. François Vallèche, il est dans une association qui s'appelle Arrêt du nucléaire Savoie, dans les Alpes. En fait, j'ai deux remarques et questions. Roland Desbordes, tu dis le nucléaire est confronté à... Enfin, est rentré dans un mur économique. Alors déjà, est-ce que tu peux préciser quel nucléaire ? Civil, militaire, les deux. Puis ensuite, s'il est dans un mur économique, à quoi ça sert de se battre contre un moribond?
Et deuxième remarque et question, qui concerne plus directement ATTAC, est-ce que vous avez étudié les relations économiques qui existent entre l'industrie, enfin je dirais au sein de l'industrie nucléaire, entre les domaines militaires et civils? Parce que malgré que l'industrie nucléaire dite civile soit dans un mur, on n'a pas l'impression quand même que le gouvernement français veut abandonner l'arme atomique. Donc il faut bien la financer, et ça serait intéressant d'avoir des billes pour aller se bagarrer contre les deux à la fois. Parce qu'en fait, l'un, à mon avis, le nucléaire dit civil finance le nucléaire militaire. Il faudrait pouvoir argumenter ce point-là et avoir des billes pour l'expliciter. Ok, merci. Donc derrière, oui, vas-y. So I'm from England and I fight against Hinckley. Louder, louder, please. I'm from England and I fight against Hinckley. Je viens d'Angleterre et je me bats contre Hinckley. I take direct action. Je fais des actions directes. And I also do other reformist activities. Faudrait que tu te lèves, la traductrice. Faudrait que tu te lèves, la traductrice. Merci. I think there's a few obstacles as a movement that we have to face. Il y a plusieurs obstacles en tant que mouvement auxquels on fait face. I call it the unholy trinity. Je l'appelle la trinité. Pas sainte. Unholy. So, we can't see radiation, that's the first thing. On ne voit pas la radiation. The industry don't want us to look at it. Les industriels ne veulent pas qu'on la voit. And then on la regarde, and our own unwillingness as a society to face these issues, those things act together. Et notre absence de volonté de unwillingness to look at the issue. Notre propre volonté de ne pas regarder. So les trois choses agissent ensemble. So we can write books, we can do lots of things publicly. On peut écrire des livres, on peut faire plein de choses. But it's like our activities fall into a black hole. Mais c'est comme si tout tombait dans un trou noir. Tout ce qu'on fait. These obstacles we have to find ways around. So, like the media is one obstacle. The fact that we're a civil society and we're facing the vast resource of public money being used against us. Donc on a plein d'obstacles à surmonter, l'obstacle des médias, l'obstacle que tout l'argent de l'argent public, but it's used against us. Oui, que l'argent public ne sert contre le public, contre l'intérêt de la société civile. It doesn't matter whether your nuclear sector is public or private, because ultimately it still gets that public money. In England, our industry is apparently private, but it's still being put forward by EDF and the Chinese state, so it doesn't matter, those two things are so linked that it doesn't really matter which one it is, because that takes the money. Peu importe que le secteur soit public ou privé, de toute manière il absorbe l'argent public. Le chinois, EDF est en France. Oui. Il faut le dire. L'État chinois, c'est Chinese state, enfin. Chinese state, yeah, the Chinese state are offering. Sont présents dans le nucléaire anglais. Yeah, yeah. So l'État français sont présents. We are told constantly about how close to bankruptcy EDF is. On nous dit en permanence que l'EDF est près de la faillite. But there is the bottomless pit of French public money being poured into EDF constantly. Et l'État français intervient toujours pour le réanimer, l'écarter de la faillite. There is pour pousser la faillite. There is always money for corporate welfare. Il y a toujours d'argent pour la santé ou la survie des multinationales. You know, while people starve in rich countries. Alors que. While ordinary people starve in rich countries. Les gens ordinaires. Okay. So we have to find leverage. So we have to find some way of
you know, like we don't have resources to match their resources. On n'a pas autant de moyens qu'eux, pas les mêmes. So we have to find a way around. Faut les contourner les obstacles. Ok. Thank you. Thank you, Nikki. On va redonner la parole et après on refera un tour de. Un petit tour avec les autres personnes qui veulent. Donc. Vous avez eu des questions ? Allez-y. J'ai noté quelques remarques. Par contre, je n'ai pas entendu la dernière intervention. De la région. Oui. Première interpellation, c'était de mettre les déchets dans les anciennes mines d'uranium. Puisqu'on a des anciennes mines d'uranium, pas parce qu'on n'a plus d'uranium, mais parce qu'on a trouvé ailleurs, avec d'autres conditions environnementales et sociétales, comme on dit. Hein, nos sociétés du nucléaire sont censées respecter une certaine éthique. Et la même, en France qu'au Niger ou au Kazakhstan, on sait très bien que c'est totalement faux. Il est beaucoup plus intéressant d'aller exploiter de l'uranium au Niger, quand on s'appelle la Réva, que dans la Creuse ou en Bretagne. Donc, aller mettre des déchets dans les anciennes mines, je suis désolé, c'est pas une bonne idée. Les déchets radioactifs à durée de vie longue, il faut imaginer, je sais pas quoi, mais il faut imaginer un truc qui résiste à l'éternité. Alors pour moi, ça peut être la fin. Donc, résister à toute agression, etc. On voit bien comment on se casse les dents là-dessus. On a posé cette question il y a très longtemps, on n'a toujours pas la réponse aujourd'hui. On se pose des questions, est-ce que c'est bien de les mettre en argile aujourd'hui ? Enfin, après avoir fait un trou, un labo, arrosé beaucoup d'argent, on se pose la question, enfin, est-ce que c'est peut-être pas la bonne idée forcément ? Donc les anciennes mines d'uranium ne sont pas du tout les endroits adaptés à ce genre de cycle. Ce sont des endroits où il y a de l'eau, etc. Il y a de l'eau qui circule. Il y a tout ce qu'il ne faut pas pour un déchet. Donc il ne faut surtout pas mettre les déchets dans les mines d'uranium. Nous, on proteste justement avec les associations locales parce qu'effectivement, on en a mis. Alors, ce n'est pas les plus radioactifs, mais il y en a quand même en France. 52 millions de tonnes. Alors quand on vous dit qu'on en produit 1 kg et par an de déchets radioactifs, 1 kg par habitant et par an, 1 kg, 60 millions de Français, ça fait 60 millions de kilos. Mais là, on en a 52 millions de tonnes. Cherchez l'erreur. Rien que par les mines d'uranium, on a déjà produit en France 1000 fois plus de déchets qu'on nous le dit officiellement. En tout cas, pour nous, on se bagarre avec les associations locales pour que ces sites-là, on a fait ça à l'époque, c'est pas bien, ça pollue tout l'environnement. Vous retrouvez ces déchets à 20 km de plaisance ou dans une rivière ou dans un étang, etc., quand c'est pas dans l'eau du robinet, je suis désolé, c'est pas du tout un lieu adapté. Assurance ou caution. Quand on demande l'argent qui est provisionné, c'est une provision en cas d'accident nucléaire, en tout et pour tout, il a été plafonné à 1,5 milliard d'euros. En tout et pour tout. Là-dedans, vous avez à peu près 600 millions, c'est l'exploitant, et le restant, c'est l'État, ou les États. Ça vous dit que, en fait, pour un exploitant nucléaire, un accident ne lui coûterait que 600 millions. C'est rien du tout. C'est quelques scandales comme le concombre espagnol, vous rappelez, là, le concombre espagnol, là. On a dû indemniser les producteurs de concombre espagnol, c'était plusieurs millions d'euros qu'on a dû leur. C'est rien du tout, 600 millions. Donc, et c'est limité. Une assurance, par définition, offre des garanties et là, pour assurer de manière illimitée. Il n'y a pas un plafond. Ça fait la grosse différence. Alors évidemment, l'assurance, elle ne va pas vous lâcher l'argent comme ça. Hein. Il va falloir bagarrer un peu. Hein. Regardez les marées noires. Hein. On sait, etc. Mais, bon, il n'y a pas de plafond. Grâce à lui, le
nucléaire, ah oui, grâce à nous, le nucléaire est plus cher. Moi, je pense qu'on n'a pas joué un grand, grand rôle là-dedans. Je ne dis pas que c'est faux. Je pense que les Équateurs, on a eu beaucoup de chance. Je pense que honnêtement, on a eu beaucoup de chance. On n'a eu que quelques catastrophes. On aurait pu en avoir beaucoup plus. Quand on regarde les études de danger, moi j'étais physicien nucléaire dans les années 60, 70, au moment où du développement. Mais quand on pointait avec les ingénieurs du CEA, moi j'étais sur Grenoble, les possibles défaillances d'un réacteur comme Super Phoenix, on a eu une chance inouïe qui ne nous est pas pété à la gueule. Donc ces défaillances, ils les connaissaient, mais ils considéraient que le risque était acceptable. Enfin, pour eux. Pour eux. Voilà. Je pense que nous, notre action a peut-être renforcé, je dirais, cette vigilance. Mais on voit combien l'ASN, en fait, n'a pas joué son rôle de vigilance. C'est une vraie faillite, alors qu'on nous l'a présenté comme le modèle du gendarme nucléaire dans le monde. On vantait partout ça. Aujourd'hui, j'estime qu'on ne peut plus le faire, honnêtement. Et puis, le mur économique, là, est-ce que ça concerne le civil ou le militaire? Pour moi, le civil et le militaire, c'était totalement imbriqué technologiquement au départ. Aujourd'hui, c'est vrai que le militaire s'arrête typiquement le politique. Techniquement, je dirais, les militaires n'ont plus besoin du nucléaire civil, en gros. Hein. Par contre, donc, il y a une séparation aujourd'hui, qui n'était pas le cas, évidemment, au début. Hein. Tout le monde le sait. Y compris pour les matières premières? Pardon? Y compris pour les matières premières? Et même pour les matières premières, en fait, pour fabriquer des bombes aujourd'hui, c'est en vache. Vous n'allez pas vous servir dans un réacteur pour trouver le deutérium tritium. C'est ça le top de la bombe. C'est pas la bombe du pauvre, nous on a la bombe technologique, c'est la bombe H. C'est pas la bombe A. La bombe A, vous pouviez à l'époque aller dire l'uranium enrichi ou le plutonium. Bon, l'idée au départ, et c'est ce qu'a fait le CEA, c'est aller à Marcoule, à la sortie d'un réacteur civil, récupérer le plutonium. Ça s'est fait. Sauf que ça fait un moment déjà que la bombe A, pour les militaires, bon, c'est un vieux joujou, quoi. On en vit, c'est plus le top, quoi. Donc, aujourd'hui, je veux dire, même pour la matière première, il n'y a que pour des pays comme l'Iran, comme le Pakistan, l'Israël, etc., où ils sont restés à la bombe A. Là, effectivement, on reste très imbriqué dans les technologies et dans les matières, etc. Évidemment. Il faut rester vigilant par rapport à ça. Ok. Donc, Dominique, si tu peux répondre à quelques questions. Oui, quelques questions. Donc, Lydie, là, tu as posé des questions, je crois, sur les banques, c'est pas bon. Oui. Alors, pourquoi les banques financent-elles comment? Donc, en fait, les banques aujourd'hui, prenons le cas des banques françaises, et c'est vrai dans les pays qui nous entourent, même dans le monde entier, pour la plupart des banques, c'est des banques privées, des banques sont gouvernées pour l'intérêt des actionnaires. Donc ce qu'elles cherchent à faire en priorité absolue, c'est le rendement financier, le plus souvent à court terme. Et donc, comment sont faites les décisions? C'est est-ce que c'est rentable ou pas de faire tel financement, tel investissement dans tel projet, etc. Tout simplement. Il faut savoir que le secteur bancaire est dans le monde celui qui a les taux de rendement exigés par les investisseurs, les actionnaires les plus élevés. Le rendement sur les fonds propres, dans le secteur bancaire, il est de 15% à peu près minimum, alors que dans l'industrie ordinaire, entre guillemets, automobile, chimie, on est à 8%, deux fois moins. Donc c'est des exigences de rendement extraordinairement élevées qui expliquent pourquoi elles spéculent, pourquoi elles prennent des risques énormes et pourquoi elles nous mettent quelquefois dans des situations comme celles qu'on a connues dans les années 2007-2008. Voilà, donc ça voilà, je ne sais pas si ça répond à ta question. Je suis d'accord avec ce que tu as dit, je crois que c'était Léo, là, si j'ai bien noté ton prénom, sur le paradoxe moins d'État plus d'État. Je suis complètement d'accord. Le discours qu'on nous tient, à commencer par notre cher président de la République, le nouveau, là, qui vient d'arriver, qui nous dit « Moi, je suis un libéral. Je veux que les marchés décident, que les acteurs privés soient libres, que la liberté d'entreprendre, la liberté de laisser le travail libre, etc. » En fait, c'est absolument... Ça, c'est le discours.
Mais c'est un faux libéral, parce que, en fait, regardez comment il gouverne, il n'y a pas plus autoritaire. Il n'y a pas plus personne qui verrouille plus le système économique et politique. Souvent, les grands, ceux qui se présentent comme des grands libéraux, sont parfois les plus réactionnaires en termes de mode de gouvernement. Donc ça, c'est tout à fait vrai. Il faut distinguer aussi ce que les philosophes, les sciences politiques distinguent. Il y a le libéralisme économique et le libéralisme politique. C'est-à-dire qu'on peut être quelquefois, et ce n'est pas le cas à mon avis de Macron, un libéral et économique, tout en n'étant pas du tout un libéral politique, ou inversement, être un libéral politique mais pas un libéral économique. Les deux ne vont pas forcément ensemble. Voilà. Alors, maintenant, je ne suis pas tout à fait d'accord avec l'idée que la manière dont fonctionne aujourd'hui une grande partie de nos économies soit de l'ordolibéralisme. Parce que l'ordolibéralisme, c'est libéraliste, mais dans lequel on fixe des règles à l'avance. On dit, voilà, il va falloir respecter tel niveau de déficit budgétaire, tel niveau d'inflation, et on s'y tient. Parce qu'en fait, il y a beaucoup plus que ça aujourd'hui, c'est très discrétionnaire. C'est-à-dire qu'en fait, les politiques ne se fixent pas des règles, ou s'ils se fixent des règles, ils les enfreignent très souvent. Donc, l'ordolibéralisme, c'est une philosophie politique qui nous vient de l'Allemagne. Je pense qu'une partie des décisions européennes peuvent s'expliquer comme ça, mais que si on regarde la France et si on regarde la manière dont fonctionnent nos autorités, en fait, elles se fixent des règles qu'elles ne respectent pas. C'est vraiment de l'habillage. Donc, moi, je crois qu'on n'est pas en ordolibéralisme. Bon, ça mérite d'être discuté. En tout cas, c'est pas parce qu'on s'affiche libéral, notamment sur le plan économique, qu'on est un libéral sur le plan politique, et on est un très bon exemple, encore une fois, sous les yeux. J'ai bien aimé l'intervention de notre amie anglaise, qui a insisté sur les difficultés que les militants là-bas ont à se battre contre l'unité point et quels sont les obstacles. C'est ce que tu disais, Roland, en particulier, les obstacles, c'est bien l'anonymat, le fait que la radioactivité, c'est quelque chose qui ne se voit pas directement. Et donc, pour eux, ils se battent un peu contre un adversaire qui est insaisissable, difficile à saisir. C'est ça, peut-être, un des éléments de difficulté de la lutte contre le nucléaire et ses méfaits pour la santé, par exemple, d'une société. Et tu as terminé ton intervention, j'ai trouvé ça très intéressant, sur les leviers. Tu t'interrogeais, nous interrogeons tous, sur quels leviers, nous, société civile, nous militants, nous, organisations anti-nucléaires, aussi qui se battons contre la finance actuelle, devons utiliser. Alors, Jacqueline l'a dit, attaque, par exemple, en ce moment, nous en sommes arrivés à la conclusion que les manières douces, du genre, ah, je vais interpeller mon député, je vais faire une tribune dans un journal, bon, continuons de le faire, bien sûr, mais, ou faire ce qu'on appelle l'éducation populaire, expliquons pour que les gens comprennent, qu'ils soient d'accord, qu'ils voient le problème, etc., c'est indispensable. Mais maintenant, il faut passer à un niveau supérieur, par rapport au nucléaire, comme par rapport à la finance, il faut passer à la question de l'action, la désobéissance civile. Encore une fois, comme l'a bien dit Jacqueline, ce n'est pas la violence. On ne veut pas que les gens soient touchés. On ne veut pas, même souvent, qu'il y ait de dégâts matériels significatifs. C'est simplement les actions fortes, mais qui ont une charge symbolique importante, comme les faucheurs de chaises, par exemple, ou aujourd'hui, ce qu'on a fait récemment, on a appelé ça de l'opacification pour lutter contre les grands géants comme Apple, McDonald's, ou BNP Paribas qui font de l'évasion fiscale à haute dose, on a pris du blanc de meudon et on a opacifié leur vitrine. Symboliquement, ça voulait dire quoi? Parce qu'ils sont dans l'opacité la plus totale dans la manière dont ils gèrent leurs finances et notamment ils font de l'évasion fiscale. Donc en faisant ça, on attire l'attention des médias, de l'opinion, pour une action qui est très largement non violente parce que les dégâts, le blanc de meudon, ça se retire. Hein. Avec un chiffon. Hein. Donc les dégâts sont minimes. Ça n'a pas empêché qu'on ait été inquiété par la justice là-dessus. Parce qu'aujourd'hui, surtout avec la nouvelle loi sur la sécurité, ça c'est un point qu'il faut peut-être dire ce soir, je suppose que vous en êtes conscient, c'est que la nouvelle loi qui se présente comme une loi antiterroriste va être utilisée contre les militants et les militants qui vont tenter de faire des actions, notamment du type désobéissance civile, tout simplement organiser des manifestations. Donc je crois qu'il faut qu'on soit conscient de ça, par la manière dont on doit s'organiser, mais aussi pour le dénoncer, parce que là, il y a quelque chose, il y a un dérapage judiciaire et politique et répressif qui est aujourd'hui en cours. Et donc, ça va être dur pour nous de nous mobiliser, mais il faut le faire. On ne peut pas rester sans réagir. Il faut être ingénieux dans les modes d'action. Parler des leviers à utiliser, inventons ensemble, faisons-le au niveau international, c'est-à-dire au même moment, dans 3 ou 4 pays peut-être, européens notamment, mais au-delà des frontières, évidemment,
Donc, si c'est nucléaire, ça peut être le Japon, aussi les États-Unis, ainsi de suite. Battons-nous pour faire passer les messages forts. Et peut-être qu'on finira comme ça par marquer des points importants dans nos luttes. Quoi. Donc il faut avoir faire preuve d'imagination. Et peut-être que les discussions qu'on peut avoir ce soir, c'est de aussi voir quelles sont les propositions, les suggestions que les uns et les autres, les unes et les autres, vous avez sur ces questions de comment on s'organise, comment on lutte quoi, aujourd'hui dans la situation actuelle à laquelle nous sommes. Savez-vous quelles okay. sont les Attendez. Banques qui financent Attends, excusez-moi, on va reprendre un tour de parole. Hein, d'accord okay. Donc, il y avait plusieurs mains qui étaient levées. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Donc, on fait les, on laisse parler les 7 personnes, pas trop longtemps quand même, ça va en même temps. Et après, on refera un petit tour des présentateurs. Donc, on commence là-bas au fond. Pierre, vas-y. Je pense qu'en France, l'obstacle économique aura du mal à s'imposer pour des raisons historiques et de formatage de nos gouvernants. Quand De Gaulle a créé le CEA, c'était pour que la France retrouve un rang de grande puissance par le développement de nucléaire, d'abord militaire et ensuite civil. Et tous les gouvernements successifs ont emboîté cette idéologie, Giscard, Chirac, etc. Et on peut voir d'ailleurs que la France a trouvé les milliards nécessaires pour éviter la faillite d'EDF et d'Areva. Et elle trouvera probablement encore assez longtemps des subterfuges pour passer outre les difficultés financières en cherchant des financements occultes publics. Le rayonnement de la France, la grandeur de la France, sont des grandes valeurs de nos gouvernantes. Étant jeune. Tu ne t'es pas présenté. Pierre Péguin, effectivement, excuse-moi, du collectif Chang dans le Gard et du collectif Arrêt du nucléaire. Ok, alors ensuite, oui, alors vas-y, Daniel, et après on passera devant. Oui, alors Daniel Hoffnung, alors je suis militant ATEC et je suis aussi dans la coalition ICANN, internationale européenne, le Polish Nuclear Weapons, qui a été prix Nobel de la paix cette année. Oui, je voulais intervenir sur la question du rapport avec les banques et le financement du nucléaire militaire. Donc de la même manière que les grandes banques françaises, en particulier la BNP, le Crédit Agricole et d'autres financent le nucléaire civil, elles financent aussi les mêmes le nucléaire militaire. Et donc sur ça, dénoncer ces banques, en particulier je dirais la BNP qui joue un grand rôle dans le financement du nucléaire militaire, qui a essayé de se créer un voile de bonne conduite en déclarant qu'elle ne finance que le nucléaire militaire qui serait pour l'OTAN, mais qu'elle se refuse à financer en fait les ennemis de l'OTAN. Non, mais ça, c'est une vraie plaisanterie, quoi. C'est-à-dire, on n'imagine pas la BNP finançant le nucléaire russe ou le nucléaire chinois. Donc, c'est vraiment une plaisanterie. Donc la BNP finance le nucléaire militaire et le revendique de tous les pays qui appartiennent à l'OTAN. Donc voilà, et c'est une bonne raison, à mon avis, d'engager des actions contre la BNP sur cette question-là. Alors après, il faut voir les autres banques. Il y a un rapport très complet qui s'appelle « Don't Bank on the Bond » et qui est publié tous les ans par l'ONG Pax qui se trouve aux Pays-Bas. Ok, merci. Ensuite, Nil, toi ? Oui, Jean-Luc Fossard. Donc, tu te lèves et tu... Jean-Luc Fossard du collectif Stop Opère, ni en ligne ni ailleurs, et puis aussi membre d'Attaque, et puis aussi membre du collectif anti. Tu peux parler plus fort, s'il te plaît. Par rapport... alors oui, l'analogie nucléaire et finance, je trouve ça très intelligent, et je pense que c'est quelque chose qu'il faut approfondir à profil. Mais en même temps, je me pose la question en termes d'action. Est-ce que courir après deux lièvres, c'est faisable? Et peut-être même un troisième lièvre, puisque vous avez cité tout à l'heure l'état d'urgence. Les trois lièvres, quand même, qu'il faut pourchasser. Deuxième commentaire,
c'est le, tout simplement le, la question de la démocratie. Ce slogan-là, en fait, il existe dans le nucléaire depuis les années 70. Donc, est-ce vraiment pertinent encore aujourd'hui, même avec la taille d'urgence? Et il me semble plutôt que la démocratie, peut-être, pour réunir nucléaire et finance, se questionner sur, finalement, quel bien public nous voulons-nous autour de l'énergie et autour de la banque. Autour de la banque, on pourrait se dire, par exemple, la nationalisation des dépôts, en tout cas, c'est un bien public. La partie énergie, c'est surtout la distribution qui est importante. Elle doit être publique, tout le monde doit avoir accès à l'énergie. Et là, je pense qu'on est sur des choses et des plus concrets qui pourraient parler davantage aux gens que de l'histoire de la démocratie qui est une vieille rengaine de la lutte anti-nucléaire. Ok, merci. Je crois qu'il y a Pinard derrière qui voulait parler. Vous vous levez toutes les deux? Merci. Yes, but I will ask Caroline first. Yes. I'm from Turkey, which is the nuclearsys.org website about the informed. Attends deux petites secondes. Tu es nuclearsys.org. Nuclearsys.org, ce qui veut dire libre de tout nucléaire.org. Yeah. Tomorrow I will tell everybody there are three nuclear power plant projects in Turkey. Demain, je dirai à tout le monde, je présenterai les deux projets de centrales nucléaires en Turquie, les trois projets. Two is already in Turkey government. Il y en a deux, pour deux, il y a déjà des accords entre le gouvernement du UTP, What is not clear tomorrow, I will talk about it. Un n'est pas encore clair, je vais en parler demain. Mm-hmm. But here I would like to mention that one of the intergovernmental agreements made with Japan. Un des accords, ici je veux mentionner qu'il y a un des accords qui a été fait avec le gouvernement japonais. As everybody knows, Japan started to export their technology after Fukushima. Comme tout le monde sait ici, le gouvernement japonais a commencé à exporter sa technologie nucléaire après Fukushima. Although they closed all nuclear power plants in Japan, except for the day they opened one. Alors qu'ils ont chez eux tout fermé et puis réouvert 5 réacteurs. Yeah. So, and now, Japan is quite contaminated, you know. Et aujourd'hui, on sait que le Japon est hautement contaminé. And in 2020, Japan started Olympics. Et en 2020, le Japon démarre les Jeux Olympiques. Accueille les Jeux Olympiques. As you know, there is fully nuclear waste on the soil everywhere. Japan is just collecting them and making waste in big boxes everywhere. Donc le gouvernement s'active, enfin les organisateurs s'activent à collecter, à ramasser les déchets nucléaires et les sans aussi. They will burn them and they formally inform that they will burn all of them till Olympics. Officiellement, ils auront terminé de tout incinérer avant 2020. So it's important for us to focus on Olympics. It's a suggestion. Donc c'est important pour nous de se concentrer sur cette échéance des Jeux Olympiques. There's an aim that there's a play like there's no radiation. A play, a kind of play. Pretending to act like there's no radiation. Ils prétendent, ils jouent sur une image de pays sans radiation. So, all about Olympics, which companies will be advertising for Olympics? And how we can, I mean, many countries will be participating at Olympics.
are here from many different countries. We can focus on this issue maybe to make something during Olympic Donc il y a la question de quelles seront les sociétés qui iront faire de la publicité ou faire partie de l'organisation qui seront présentes aux Jeux Olympiques. Yes, companies are advertising in the Olympics. Maybe celles qui font leur publicité pour les Jeux Olympiques, on peut se concentrer sur elles, sur ces sociétés-là. We can think about to consider something about this issue. How we can de réfléchir aux Jeux Olympiques et de l'organisation que c'est, de l'événement que c'est. De se servir de la publicité aussi que ça a cas-là. We must not let them act as if there's no radiation. On ne peut pas les laisser médiatiser des gros mensonges sur la radio concernant le nucléaire à cette occasion. Ok. Ok. Merci. Thank you. Alors là-bas, il y avait quelqu'un. Oui. Bonsoir. Je m'appelle Jean-Marc Nollet, je suis écologiste et je suis surtout belge. Et donc, je connais mieux la situation belge que la situation française de ce point de vue-là. Je trouve que c'est effectivement très paradoxal de voir qu'on atteint peut-être plus facilement l'objectif par le paradoxe économique que par le paradoxe de la sécurité. Même si en France, j'entends bien que la situation n'est pas tout à fait la même. En Belgique, par exemple, on discute beaucoup de la prolongation de centrales, mais il n'est plus question de construire de nouvelles centrales parce qu'effectivement, elles coûtent trop cher. La prolongation est un enjeu évidemment aussi de sécurité et aussi un enjeu économique. Alors, vous faites appel à quelques propositions. Ce que moi je vais évoquer est évidemment complémentaire à d'autres choses, mais c'est aussi un peu l'idée de travailler sur le paradoxe et d'utiliser les outils qu'a priori on n'utiliserait pas. Le premier, c'est éventuellement d'intervenir au moment des assemblées générales, des comptes et des bilans des entreprises concernées. Alors, je ne connais pas bien EDF, je connais mieux Engie. Parce que Engie, propriétaire et centrale en Belgique en grande partie, survalorise dans son bilan financier les centrales belges puisqu'il comptabilise une durée de vie de 10 ans plus élevée que ce que la loi ne le permet. Donc il est en contradiction dans ses comptes avec ce que la loi belge prévoit puisqu'on prévoit une sortie du nucléaire en 2025. En monnaie selon les prix du change, ça représente 2 milliards d'euros. 2 milliards d'euros de survalorisation. Je pense que d'autres l'ont fait par rapport à d'autres combats, mais en étant dans l'Assemblée générale ces jours-là, il y a moyen en tout cas d'attirer pas mal d'attention, y compris médiatique, sur cette difficulté ou ce problème financier et que ça peut avoir un impact sur les marchés. Alors c'est très bizarre de parler de ça ici évidemment, mais pourquoi pas essayer d'utiliser des armes un peu paradoxales en elles-mêmes aussi. Deuxième chose, utiliser le recours européen pour dénoncer les formes d'aide d'État au nucléaire. Et s'appuyer pas seulement sur les associations, mais aussi s'appuyer sur les alternatives, et principalement les énergies renouvelables, qui elles ne sont pas aidées comme l'est le secteur du nucléaire, parce qu'elles doivent s'assurer, elles, pour si une éolienne tombe, c'est paradoxal évidemment, mais si elles se coalisent, elles pourraient utiliser certaines règles européennes, je ne vais pas entrer dans le détail, mais pour critiquer l'aide d'État qui consiste à permettre au secteur nucléaire de ne pas devoir s'assurer ces éléments dont on a parlé tout à l'heure. Et même chose, toujours avec la problématique des aides d'État, le sous-financement des provisions pour le démantèlement des centrales nucléaires pourrait ou devrait aussi être attaqué, selon moi en tout cas, au titre d'une aide d'État illégitime au regard d'aides qui ne sont pas octroyées aux autres secteurs alternatifs, les énergies renouvelables notamment. Voilà quelques idées d'actions possibles, même si c'est utiliser
des voies qui ne sont peut-être pas les voies habituelles des combats qui sont évoqués ici. Et je crois qu'il y avait une, deux et trois. Vas-y. Bon, je voudrais intervenir sur deux aspects. Je te présente, s'il te plaît. Je m'appelle Françoise Clairaut, je suis d'ATAC. Par contre, je n'ai jamais travaillé sur des questions nucléaires. J'ai plutôt eu à souffrir dans un environnement familial de gens qui avaient subi les conséquences du nucléaire. Je voudrais évoquer plus la collision qu'il peut y avoir, dont on a parlé un peu, l'enfouissement aussi des déchets. Il y a 8 jours à peine, on a vu un film sur Arte qui était très intéressant. Il parlait des déchets radioactifs. Donc là, il se trouve que 70 à 80% des déchets radioactifs de l'Europe vont dans le sud de l'Italie, en Calabre. Que ces déchets en réalité sont stockés de manière quelquefois très superficielle, c'est des fûts, mais ça fuite, il y en a qui sont dans des grottes, il y en a d'autres qui sont au fond de la mer, comme d'habitude, et puis il y en a d'autres qui sont, je pense, plusieurs aussi. Toujours est-il que ces déchets, il faut savoir que l'économie de la Calabre est principalement gérée par la mafia, et que c'est la mafia qui traite vraisemblablement avec, c'est ce que dit Arte, hein, avec les industriels et les politiciens. Donc là, il me paraît qu'il y a quelque chose de très grosse défaillance du pouvoir public de laisser ce type de choses se faire en Calabre. Et d'autre part, bien sûr, il y a beaucoup de cancers. Quand il y a des analyses qui sont faites, apparemment c'est toujours négatif. Le taux de radioactivité dans cette région. Par contre, il y a beaucoup de cancers. Il y a des familles entières qui sont décimées. Donc je pense qu'il y a quelque chose à saisir, une occasion sur la responsabilité, et aussi de l'Europe, puisque c'est quand même l'Italie, hein, il n'y a pas que l'Italie, il n'y a que les pays européens, qu'il faudrait interpeller là-dessus. Et je voudrais rajouter quand même que le talon d'Achille, comme dans toutes les grosses structures, ben, c'est avant tout leur image. Je crois que c'est là aussi qu'on peut attaquer. Je me souviens que quand il y a eu la question des empreintes toxiques en 2008, on a vraiment attaqué sur l'image de Lexia. Et je peux vous dire qu'en 3-4 ans, ils étaient vraiment bannis. Hein. Parler de Lexia auprès des gens, ils étaient tous à dire « Oh oui, ça ne vaut rien, Lexia, c'est un peu ce qu'ils ont fait, etc. » voilà. Et puis, c'est tout ce que j'avais à ajouter. Voilà, c'est vrai que la question des énergies renouvelables, on ne pousse pas assez là-dessus. D'ailleurs, ça a été reproché à l'EDF. Donc, il y aurait quelque chose à faire aussi. Ok, merci. Bonjour, moi je m'appelle Estienne. Je suis juste un citoyen comme ça. Un membre de pays. Pardon ? De quel pays ? France, Mexique. Ah, oui. France, ah. Mexique. Juste pour vous dire que j'avais beaucoup aimé l'intervention de la première anglaise qui avait parlé pour dire, enfin, c'est pour partager un outil à partir de cette intervention, pour dire qu'il y avait une pas sainte trinité, une trinité pas sainte, et elle mentionnait le fait qu'il existe dans cette trinité pas sainte qui met des freins à l'évolution des choses telles qu'elles sont actuellement, c'était que le public en général ne veut pas confronter, enfin, le grand public ne veut pas se confronter à ce genre de réalité, en partie parce que c'est très douloureux. Et du coup, bon, moi je suis plutôt écologue, pas écologiste, mais écologue de base, dans mon métier. Et dans mon métier, il y a beaucoup de parallélisme avec ce qui se passe concernant les pouvoirs publics qui ont tout verrouillé dans tous les sens. Donc moi, j'ai complètement lâché cette affaire-là. Merci à ceux qui travaillent là-dessus. Mais je pense que c'est important de travailler aussi dans d'autres plans. Et voilà l'outil que je voulais vous présenter. Ça s'appelle « Travail qui relie ». C'est un ensemble d'outils, une boîte à outils pour accompagner les personnes
à faire face aux réalités douloureuses auxquelles on fait face actuellement, que ce soit disparition des espèces, biodiversité, donc sécurité alimentaire menacée ou nucléaire, qui a été développée par une Américaine qui est partie au Tibet, enfin bref, théorie des systèmes et bouddhisme tibétain mis ensemble pour aller au bout de plusieurs années d'intervention en plusieurs endroits du monde. Elle a développé donc cette boîte à outils pour accompagner les gens. Ça peut s'utiliser personnellement ou ça peut s'utiliser en groupe. Ça s'appelle Travail qui relie, Work that reconnects. Ça a été fait par Joanna Macy. Donc s'il y en a qui ça intéresse, je pense que ça peut être intéressant de porter plusieurs, enfin, ces problématiques par plusieurs angles. Et j'attire l'attention sur le fait que du côté grand, c'est assez verrouillé, très très verrouillé. Voilà. Merci pour l'écoute et pour le travail que vous faites encore. Michel Guérit, Champenois. Comme tout le monde, Michel. Excuse-moi. Donc Champenois qui habite à 5 km de la plus grande poubelle nucléaire du monde qui s'appelle Souled et dont on ne parle jamais. Alors j'ai une question. Sait-on le nom des banques qui financent le verre de Flamanville? Et j'ai une remarque à faire pour compléter ce qu'a dit Roland à propos de l'enfouissement des déchets nucléaires. J'ai dit récemment aux journées d'été d'Europe Écologie à Dunkerque qu'il ne fallait pas enfouir les déchets dans la terre parce que la terre, c'est de la mer solide. Alors ça a jeté un trouble. J'explique, l'argilite de Bure dans laquelle on veut enfouir à 500 mètres les déchets nucléaires, c'est un sédiment, donc c'est de l'eau évaporée. Or, il existe une loi internationale dont je ne sais plus la date, et tous les pays sont d'accord, on n'a pas le droit de jeter les déchets nucléaires dans la mer. Alors répétez partout que l'argilite, c'est de la mer solide. Merci. Ok, on refait un petit tour de réponses et après on réenchaîne sur les actions. Rapidement, j'ai vu le documentaire sur la mafia des déchets radioactifs. Je suis resté très mal à l'aise sur ce documentaire parce que il y a un travail de journaliste. Par contre, concrètement, on ne sait absolument rien d'où viennent ces déchets, la nature de ces déchets, leur quantité, etc. Pour moi, oui, le mot radioactif est évoqué très souvent, mais il n'y a aucun chiffre. Alors, pour moi, ça reste un mystère. Alors, je ne dis pas que les déchets radioactifs sont bien gérés, on sait où ils sont, etc. Non, il y a des voyous comme là, comme partout. Donc des gens qui essayent de s'en débarrasser en faisant appel à la mafia. Ça existe, évidemment, je n'ignore pas. Maintenant, pour évaluer l'ampleur du problème, je suis désolé, ça m'a laissé mal à l'aise. Voilà. Je ne connais pas, il faudrait aller là-bas, il faudrait faire des enquêtes, il faudrait que la justice demande des expertises indépendantes, etc. Alors nous, la CRAD, on va être sollicité sur un autre site qui concerne l'Italie, c'est la Sardaigne, où il y a effectivement un site où il y a des problèmes comme ça. Je ne peux pas dire plus, on n'y est pas encore allé. Mais il faut qu'il y ait la justice qui mandate des experts pour aller faire un travail sur le terrain. Voilà. Et sinon, pour répondre à Michel Guérit, la convention qui dit qu'on ne doit plus balancer des déchets à la mer est une convention internationale qui s'appelle OSPA, Oslo Paris, qui a été complétée par une autre convention signée au Portugal, à Saint-Croix, et qui dit que la mer est un bien commun. Les océans sont des biens communs. Voilà, c'est une évidence. Ils n'appartiennent à personne, particulièrement sauf les eaux territoriales. Et donc, maintenant, on a un bien commun, comme l'air. Eh bien, il faut le protéger collectivement, donc par une convention internationale. Cette convention OSPA a été signée en 1995 par tous les pays riverains de l'Atlantique Nord,
est élargie à la Méditerranée peu de temps après. Elle dit quoi? Elle dit que rejeter des produits toxiques, chimiques et radiologiques est interdit dans le milieu marin. Ah! Or, quand on balance dans les fleuves, ça arrive à la mer. Donc, ce n'est pas seulement pour les centrales en bord de mer. Donc, ça concerne toutes les installations du cœur. Sauf que, à l'époque, 95, on s'est dit, les exploitants du nucléaire en particulier, ne sont pas prêts à fermer les robinets des rejets légaux, mais pas légitimes, légaux, dans les fleuves et dans les mers. Ils ne sont pas prêts. Donc, on va leur donner du temps pour aller au rejet zéro. Et on a été, à l'époque, on était plutôt pessimiste, parce qu'on leur a donné 25 ans pour fermer les robinets. 95, 25, 2020. Or, 2020, c'est demain. Et qu'est-ce que vous croyez qui s'est passé depuis 1995, c'est-à-dire depuis 22 ans? Eh bien, rien du tout. Rien du tout. Si ce n'est qu'on a même augmenté certains rejets pour les installations nucléaires, et etc. Donc, on n'est pas prêt à aller vers ce rejet zéro. Alors, effectivement, tu as raison. Symboliquement, l'argile, c'est de l'eau solide. En tout cas, là où il y a de l'argile, il y avait de l'eau. Ça, c'est sûr. Voilà. Donc, faire ce lien, je trouve symboliquement très intéressant. En tout cas, cette convention, en gros, quand on en parle, ça, c'est un levier intéressant. Parce que, moi, j'en parle régulièrement dans les réunions des commissions locales d'information. On parle des rejets des installations. On se dit, mais c'est légal, vous n'avez rien à dire, en gros, hein, ça a été décidé, il y a des textes de loi qui encadrent tout ça, on ne nous a jamais demandé notre avis à nous, les citoyens, qui sommes les premiers concernés, puisque nous, on consomme de l'air et de l'eau. Eh bien, on ne nous a jamais demandé notre avis, on a décidé, c'est légal, sauf que quand je pose la question, mais alors, qu'est-ce qui va se passer le 31 décembre 2019? En plein réveillon, on va fermer les robinets. Évidemment, non. On va donner des dérogations, comme on le fait habituellement dans le nucléaire. Le nucléaire fonctionne à coup de dérogation à des règles générales. Et là, Michel a raison sur les déchets radioactifs. Les déchets radioactifs sont traités en France en vertu de dérogations aux règles générales. Puisque par une loi de 2006, on a défini les déchets radioactifs comme étant des matières qui n'ont plus d'usage. Un déchet. Mais il suffit que vous envisagiez de les réutiliser, ce n'est plus un déchet. Alors là, suivez mon regard, il y a plein de déchets qui sont sur les rayons, qui ne sont pas comptabilisés comme des déchets radioactifs, parce que les producteurs ont dit, ah mais ça, un jour, peut-être, dans un avenir qu'on ne sait pas à quel coût, par telle technique, etc. On pourrait en faire ça, on pourrait. Ah, du coup, c'est plus un déchet. Voilà comment ça se passe. Oui, alors, oui. C'était la première intervention de Pierre là, sur le rôle de l'idéologie. Je suis d'accord, c'est un peu ce que j'ai essayé de dire au début de ma intervention. Dans le domaine du nucléaire en particulier, le poids de l'idéologie est absolument, absolument considérable, et du coup, par ricochet, du politique. C'est vrai qu'un homme politique qui oserait en France dire j'abandonne le nucléaire civil et militaire, bon, il aurait peut-être des petits soucis, quoi, je veux dire, par rapport à ce qu'est aujourd'hui l'histoire collective de la France, quoi, tout simplement. Et donc, c'est vrai qu'il y a un blocage. Quand tu parlais des dérogations, en fait, s'il y a des dérogations qui sont accordées comme ça, c'est des politiques. C'est qu'en fait, les critères ne sont pas économiques, mais sont politiques. Point barre. Et du coup, je suis d'accord pour dire, comme tu le dis, on va dans le mur sur le plan économique, c'est aussi ce que j'ai essayé de dire, mais ça ne veut pas dire que pour autant on va arrêter rapidement à un horizon aussi proche le nucléaire, hélas, parce que le politique, hélas, sans, on ne sait jamais ce qui peut se passer évidemment, hein, mais pourrait être encore là parce que tout est verrouillé. Et donc tout le problème, c'est justement c'est de déverrouiller cette technostructure, ces lobbies, etc. Tant qu'on n'aura pas déverrouillé notamment ces liens puissants entre le politique et ces secteurs que sont la finance et le nucléaire, ben, ça ne va pas être facile. Donc, voilà.
Mais donc, je suis peut-être un peu moins optimiste que toi. Enfin, bon, je suis d'accord en même temps. D'accord, c'est juste une question de nuance. Daniel, là, tu as parlé tout à l'heure de la BNP par rapport au nucléaire civil et militaire. Bon, tout à l'heure, à la réunion précédente à laquelle tu participais, là, on a discuté avec Dominique Lalanne. Et on s'est dit qu'il fallait absolument qu'on est dans une campagne en ce moment à TAC avec d'autres organisations d'ailleurs. On vise particulièrement la BNP Paribas sur les questions d'évasion fiscale. Et donc, on se disait que là, il faudrait articuler peut-être le travail qu'on fait sur BNP par rapport à les financements qu'elle a. Donc, ça ne serait plus l'évasion fiscale, mais les financements qu'elle a dans le domaine du nucléaire, civil et militaire. Déjà, on a fait une campagne, tu t'en souviens, il y a quelques années, sur les requins, ce qu'on appelait les requins de la finance. Et on avait ciblé des entreprises qui s'attaquaient à des éléments importants, hein, d'environnement ou bien sur les problèmes de finance. Donc je crois qu'on peut, retrouver, mener des campagnes qui articulent bien les deux domaines, militaires, civils et militaires, et notamment une banque comme BNP Paribas est vraiment en plein dans la cité-là. Et ça rejoint un peu ta question tout à l'heure sur le qui finance Flamand Ville. Je ne suis pas formel, mais je serais prêt à parier, hélas, que BNP y est, mais que toutes les grandes banques françaises y sont. Pourquoi ? Ben parce que ça coûte horriblement cher, qu'aucune banque à elle seule acceptera probablement de prendre le risque, et donc on peut imaginer qu'il y a ce qu'on appelle quelquefois un syndicat de banques, c'est-à-dire un groupe de banques dans lequel il pourrait y avoir des banques étrangères, des gens HSBC d'ailleurs, à côté de nos grands champions nationaux que sont BNP Paribas, Société Générale et Crédit Agricole. Mais voilà, je pense que c'est un groupe de banques et que ce n'est pas une banque en particulier. Les très grandes banques sont probablement avec des garanties d'État. Voilà, avec des, bien sûr des garanties d'État. Toujours. Voilà. Alors, là, tu es. J'ai oublié ton prénom, ami d'attaque. Là, tout à l'heure, tu as dit ne courons pas trop de lièvre à la fois. Et est-ce que c'est bien d'être se battre contre le nucléaire, en même temps sur les questions de la finance, etc. Alors, c'est. Voilà comment je serais tenté de répondre à ton interrogation que je comprends tout à fait. Dans l'ADN d'attaque, puisqu'il est né comme ça, la finance a toujours été un élément central. On est né, si vous vous rappelez, l'attaque contre la transaction financière, la lutte contre la crise financière à l'époque, c'était les années 90 dans les pays dits émergents. Bon. Et donc, la finance reste toujours au cœur. Et donc, tu disais, les banques, les nationalisations. Bon, aujourd'hui, on parle trop de nationalisation parce que le bilan des nationalisations, là, ça se discute. Mais on parle du contrôle social sur les banques, on parle de la séparation des banques, on se bat sur ces questions-là. Mais je crois qu'on ne peut pas, une organisation comme ATTAC, et c'est vrai peut-être d'autres, nous on est plutôt généralistes, on pense qu'il est utile pour les citoyens, dans la lutte que nous menons, d'avoir de se battre sur plusieurs domaines qui sont articulés entre eux. C'est ce qui fait la spécificité d'ATTAC par rapport à d'autres qui se battront spécifiquement sur le nucléaire, ou spécifiquement, par exemple, sur les questions agricoles, alimentation, etc. Je crois qu'il y a ce qui est attendu par beaucoup de citoyens, c'est aussi qu'on mette en relation les différents domaines dans lesquels il y a des choses qui sont aujourd'hui inacceptables, contre lesquelles on doit se battre. Et se battre simultanément, je vais citer trois chantiers sur lesquels on est, qui sont fondamentaux et qui sont faciles à relier entre eux. Il y a la question de la transition écologique et du climat. Il y a la question du CETA et des accords de libre-échange. On articule le climat et le CETA, par exemple. Mais je pense que c'est très important de montrer la contradiction de l'actuel gouvernement, par exemple, de dire « je suis pour le CETA, mais je me bats contre le réchauffement climatique ». Bien non, on montre qu'en réalité, c'est incompatible. Et donc, c'est important d'articuler ces différentes bagarres. Je crois que c'est tout à fait essentiel. Donc, je crois que, voilà, c'est pour te répondre que il y a des priorités, mais il n'est pas inutile d'avoir des bagarres sur plusieurs actes. Et en plus, ATTAC n'est pas, on n'est pas investi au même degré dans les différents chantiers. On est très investi sur les questions de finances. Mais par exemple, quand on va se battre sur CETA, on est dans un collectif beaucoup plus large. Nous, on n'est qu'une des organisations. Le collectif qui s'appelle Stop TAFTA CETA, où il y a plusieurs dizaines d'organisations. Et donc, tu veux, on est investi, mais avec d'autres. L'union fait la force et on essaye de travailler comme ça et c'est important d'être en réseau et de se battre sur ces différents chantiers. Voilà, je ne sais pas si j'ai répondu à ta préoccupation. On ne peut pas aujourd'hui, nous, tel qu'on est, se dire on va faire que ça, les banques, la nationalisation des banques, point barre, et le reste, on verra plus tard.
crois que c'est pas possible, compte tenu de ce qu'on est et de l'utilité qu'il y a à articuler les lignes. Oui, tu lèves la main, tu n'es pas d'accord. C'est pas que je ne suis pas d'accord, c'est que je voudrais juste compléter la question qui a été posée pour savoir est-ce qu'il y a une position au niveau national d'attaque par rapport à la question nucléaire. Est-ce que vous avez une position claire, enfin, si on, pour autant qu'on puisse en avoir une, est-ce que vous avez discuté de ça? Parce que nous, on est localement, je dirais, en contact avec des structures locales d'attaque. Récemment, j'ai questionné Attaque Savoie sur une lettre ouverte pour l'arrêt de la centrale nucléaire du Bugey. Et Attaque Savoie m'a dit, on ne signera pas cette lettre ouverte. Par contre, on va relayer l'information. Je voudrais savoir un peu mieux quelle est la position d'Attaque au niveau national. Il y a eu une position d'attaque de prise en 2009, je crois, sur effectivement le refus du nucléaire, qui était très, très large, on va dire, hein, qui n'était pas du tout radical. Mais depuis après, les choses ont évolué, et c'est vrai que cette question n'a pas été rediscutée de manière centrale. Au niveau d'Attaque nationale. Hein, elle est en train de réémerger. Voilà. Donc, il n'y a pas de position nationale actualisée, on va dire, ferme. D'ailleurs, ce n'est pas seulement sur le nucléaire. Hein, il y a beaucoup d'autres sujets sur lesquels Attaque n'a pas une position unique. C'est l'avantage et le désavantage d'une association comme Attaque, c'est-à-dire de permettre que le débat continue à exister. Mais on peut dire que maintenant, je ne pense pas qu'il y ait des pro-nucléaires dans l'attaque. Voilà. En tout cas, ce que je pense pouvoir affirmer qu'il n'y en a pas. Il n'y en a plus. Voilà. Non, attends, il n'y en a plus. Une chose est d'avoir un mouvement avec des gens qui peuvent avoir des opinions qui peuvent être différentes. Et une autre chose est la position du mouvement au niveau national. Je crois qu'on peut dire, bon, je suis porte-parole d'attaque, je le dis, peut-être que je vais me faire virer demain, mais je ne crois pas, je peux dire qu'on est pour la sortie du nucléaire, point barre. Et que donc on se bat aujourd'hui pour sortir rapidement du nucléaire et pour avoir une transition. On défend, t'as qu'à lire le livre qu'on a fait là, par exemple, l'année dernière, sur la crise, quelle sortie, on est sur un scénario radical de sortie du nucléaire et vers des énergies alternatives, des énergies renouvelables. Donc là-dessus, je crois qu'il n'y a pas d'ambiguïté. Mais qu'à l'intérieur d'un mouvement qui a plusieurs milliers de personnes, il y a des gens qui aient des sensibilités un peu différentes, ça c'est évident. Au tout début de l'attaque, d'ailleurs, pour ne pas vous cacher un secret, la direction d'attaque, au tout début de l'attaque, a été à un moment donné, on peut le dire, hein, plutôt pro-nucléaire. Voilà, tu peux en témoigner. Et on s'est battu contre eux et on les a mis en minorité. Donc ça a été une bagarre interne. Mais maintenant, je crois qu'on est sur une ligne. Je crois que c'est sorti pour l'univers, dans les plus brefs délais, et la transition énergétique que l'on se défend est très claire par rapport à ça. Bon, on va refaire un petit tour d'intervention. Je voulais juste dire, pour compléter les réponses qu'il y a eu, que dans les interventions précédentes, moi j'en relève deux qui seraient intéressantes de relier. Ça concerne les Anglais, les interventions de Nikki et de Pinard. C'est-à-dire que je pense que la difficulté de la lutte contre l'EPR à Stoke à Hinkley est évidente. Et on sait aussi qu'on a des difficultés en France pour faire reconnaître ce qui va se passer très probablement, c'est-à-dire que l'ASN va confirmer la possibilité de continuer à construire le PR de Flamanville. Donc on est dans cette difficulté-là, des deux côtés de la Manche, avec des problèmes d'investissement financier complètement faramineux. Donc je pense que bon, il y a quelque chose à trouver, un travail ensemble à mener sur ces difficultés qui sont pas au même niveau d'avancée, mais bon, je pense que ça me paraît essentiel. Et d'ailleurs, vous êtes très voisins là, donc il faut que vous arriviez à vous poser. Et sur l'intervention de Pinard, ce que je voulais dire, c'est que tu as parlé des Jeux Olympiques à Tokyo.
nous avons eu l'honneur d'être retenus comme pays pour les Jeux Olympiques en 2024, comme ville, pardon, Paris, en 2024. Et il y a effectivement un collectif qui est en train de se battre contre ça, même si les choses sont déjà actées. Et vu les enjeux financiers que, là aussi, les Jeux Olympiques soulèvent, il me paraît important qu'on arrive à travailler et sur l'aspect financement des Jeux Olympiques et sur l'aspect financement du nucléaire, que ce soit en France ou au Japon. Et là aussi, on va devoir faire des liens pour essayer de focaliser et de potentialiser ces luttes ensemble. Voilà, je voulais faire ces deux remarques. Alors, il y avait d'autres demandes. Jenny, Michel, Thor. Allez, Jenny, à toi. Jenny Garozza du collectif contrôle atomique. Moi j'ai l'impression qu'il y a un certain nombre d'économistes qui opposent. J'ai l'impression qu'il y a un certain nombre d'économistes qui opposent la méchante finance à la vraie économie réelle, celle qui marche, qui a les pieds dans le béton, l'acier, la recherche, l'informatique, les transports. Or, malheureusement, le nucléaire a la capacité de faire appel avant de produire quoi que ce soit à toutes ces choses-là. Ce que nous voyons par exemple avec le verre, avant de produire un sel microwatt d'électricité, il aura généré énormément de profits pour toutes les entreprises qui travaillent dans ces secteurs. Donc, il y a quand même je vois une petite contradiction. Une autre contradiction, je la vois dans l'idée que certains caressent, comment dire, de nationaliser les banques. Hein. C'est une bonne idée, sympathique. Mais on ne peut pas faire la même chose avec le nucléaire. Il est déjà nationalisé dès le départ. Moi, j'y vois un excès de confiance c'est pas une accusation, hein, Jacqueline. Ce sont des choses qui font partie du débat politique français. Et dans le rôle régulateur de l'État, là où il faudrait avoir une bonne dose de méfiance dans l'État et dans les mécanismes qui le dominent. Donc, la dimension de la puissance et la série des lobbies qui se sont quelque part incrustés à l'intérieur, comme c'est le cas du lobby nucléaire dont vous avez parlé au départ. Au passage, je voudrais dire un mot sur la mafia calabraise qui, j'ai remarqué l'expression utilisée, travaille à partir d'une défaillance de l'État. Or, il faut se rappeler du fait que la mafia est un sous-traitant de l'État. Et pas que de l'État italien, parce que les déchets dont on parle de façon assez vague dans ce documentaire, mais dont on connaît l'existence depuis plusieurs années en Italie, viennent en bonne partie des États du nord de l'Europe. Donc, c'est une forme de sous-traitance qui est connue par plusieurs États, utilisée de façon assez confidentielle, évidemment, qu'on fait dans ces cas-là. Et surtout, la justice, ce qu'on voit bien, en tout cas, dans ce documentaire, est que, après la dénonciation médiatique, après les discours des médecins qui font leur petite enquête personnelle, etc., c'est surtout la justice qui ne fait strictement rien, parce que ça serait pour l'État une façon de se déjuger lui-même. Et moi, je n'ai pas l'impression que ça arrive tous les jours. Pour ce qui concerne la question des déchets, j'ai l'impression que la première chose qu'il faudrait
faudrait faire, c'est d'arrêter d'en produire. C'est le bon sens même. Et donc, poser d'emblée, plus que la question de la transition, d'une transition énergétique qui se fera peut-être un jour, comme le COA, la transition qui devrait réduire en 2025 la part du nucléaire à 50%, bah, poser la question de l'arrêt du nucléaire. D'abord, pour épargner au pays la destruction de l'économie, comme le faisait remarquer madame l'ancienne ministre de l'écologie, là, je me souviens, Corinne Lepage, voilà, et risquer de détruire toute forme de vie humaine dans une large partie du pays, en plein cœur de l'Europe. Et le lobby nucléaire et l'État, où ce lobby s'est incrusté, est prêt à courir ce risque. Ça, je pense qu'il ne faut pas le perdre de vue et il faut le dénoncer d'abord et avant tout. Ok, il y avait quelqu'un d'autre par ici. Oui, vas-y. Bonsoir, Mélanie Gendrin, je fais partie d'ATAC, la Commission écologie et société, et j'ai fait partie de quelques organisations antinucléaires les dernières années. Je voulais juste faire une remarque sur les actions de lutte. Parmi les mouvements antinucléaires auxquels j'ai appartenu, j'ai côtoyé des gens qui étaient sur des actions directes, effectivement, ça arrive aussi. Moi, je suis vraiment pour la multiplication et la solidarité des différents modes d'action, de lutte, y compris les sabotages matériels, même si ça ne plaît pas à tout le monde, parce que les sabotages matériels, l'avantage qu'ils ont, c'est qu'ils coûtent aux sociétés. Sur la lutte antinucléaire en Normandie ou la lutte anti-THT des pays, il y a très haute tension qui vont sortir l'électricité de l'EPR de Clermont-Ville quand il sera terminé. Il y a eu des actions de déboulonnage de pylônes et ça a coûté vraiment des millions à RTE. C'est clair, ça n'a pas empêché les lignes de se monter. On n'est pas. C'est bien que c'est pas grand chose, mais ça fait quand même parler de la lutte au niveau local, hein, dans une population qui était vraiment résigné par rapport à la problématique antinucléaire, et ça a un petit peu quand même réveillé les gens, et depuis, il y a quand même une base hein, au niveau de la population locale. On continue de faire de l'information, à faire des petites actions, et ça peut permettre effectivement, à un moment donné, s'il y a une plus grosse action, de pouvoir relancer les choses. Voilà, bon, ça fait partie des choses que moi, personnellement, j'ai pas envie de condamner s'il y a des mouvements antinucléaires qui ont envie d'être dans le sabotage, comme ça peut être le cas sur la lutte à Notre-Dame-des-Landes. On a vu quand même la multiplication des différents modes de lutte et qui se sont associés les uns aux autres. Je pense que c'est réellement ce qu'il y a de plus efficace. Il y a aussi, je voulais revenir sur les histoires des alternatives au nucléaire. Je suis évidemment pour les renouvelables, il n'y a pas de problème là-dessus, mais il faudrait faire attention. La vraie problématique, c'est d'interroger notre mode de consommation. C'est pas de produire autant d'énergie à l'heure actuelle en renouvelable que ce qu'on a en nucléaire, en France notamment. En France, c'est une problématique particulièrement importante. Pour plusieurs raisons. La première, c'est qu'au niveau... il y a des endroits en France où les gens sont en lutte, la population est en lutte parce qu'on installe des champs, enfin, des kilomètres carrés d'éoliennes ou de panneaux solaires qui sont tenus par les mêmes manières de l'énergie qui sont impliqués dans le nucléaire ou dans le gaz ou dans le pétrole, etc. Donc, il faut vraiment être d'accord que quand on discute sur ces thématiques-là, il faut vraiment réinterroger notre consommation, qu'est-ce qu'on produit et pourquoi, et que de développer vraiment les énergies renouvelables à un niveau local. Parce que c'est évidemment les problématiques de déperdition d'énergie sur le transport de l'énergie sont extrêmement importantes. Et oui, parce que ce truc-là d'interroger notre consommation, elle est en lien aussi avec la crise climatique d'une façon générale. C'est pour ça qu'il faut pas, faut bien mettre toutes ces choses-là en lien. Ok, tu voulais rajouter un petit mot, Michel ? Ouais, est-ce que tu peux me confirmer que ATAC est une ONG ? Non, c'est une association. C'est un mouvement. C'est un mouvement qui ne reçoit pas de subvention. C'est une ONG, non ?
si vous êtes ouvert. Parce que derrière, il y avait la question, tu sais qu'il y a eu 14 organisations qui ont la chance de rencontrer Macron et Hulot à l'Élysée régulièrement. On n'y était pas. Voilà. Alors, j'ai beaucoup de mal à trouver les 14 parce qu'un journal a dit qu'ils étaient 14. J'aimerais bien connaître quels sont ces 14-là et qu'est-ce qu'ils font. On ne fait pas partie de, ce, de cette liste-là. Voilà. Bon, on va peut-être conclure. Il est bientôt 7 heures. 30 secondes, Marie ? Oui, 30 secondes. Juste deux choses. Premièrement, juste pour éviter. Présente-toi. Marie Zarditi, France Culture Environnement. Juste une chose. Les déperditions sur les réseaux électriques. C'est pas la peine de propager des choses fausses. C'est 2,5% sur le réseau de tension tenu par RTE. Et c'est 6% sur l'ensemble du réseau de distribution qui va jusqu'à chez vous. Et quelle que soit la manière dont il est distribué, celui-là, il faut quand même le faire. Donc c'est pas ça, c'est pas là que c'est plus important. Et je vous en dis pas plus, puisqu'on a peu de temps. Mais la deuxième, je voulais vraiment dire une chose, parce que c'est une liaison, à mon avis, entre l'économie et le nucléaire. C'est le changement de pied pour le bien entendre de la part du président d'EDF. Quand même, ça interpelle. Le président d'EDF vient de dire il y a 8 jours, oui, bien sûr, dès à présent, le nucléaire est et sera plus cher que les énergies renouvelables. Je pense que là, ça veut dire que la finance, qui quand même s'intéresse habituellement au coût, va peut-être commencer à réentendre cette chose-là. Et je pense que ça, c'est un truc qu'il faut qu'on soit très attentif à la manière dont ça part, parce que ça, c'est un élément clé. Alors évidemment, aujourd'hui, il dit, oui, mais nous, le nucléaire, on l'ouvre et on l'arrête quand on veut, ce qui n'est d'ailleurs pas vrai. C'est pas une centrale à gaz. Une centrale à gaz, oui. Nucléaire, non. C'est par palier, doucement, enfin, etc. Donc, c'est pas vrai. Et la deuxième chose, c'est qu'effectivement, je pense que les finances ont commencé à être attentives à ce genre de choses. Et comme vous parliez de finances et de nucléaire... Ok, bon écoutez, on va juste donner la parole pour une conclusion tout en répondant rapidement aux interventions qu'il y a eu. Voilà, il y a presque 7 heures, les gens sont où, on commence à être un peu fatigués. Et avant de terminer, je vous rappelle que si vous souhaitez avoir des notes comme ça, il y en a sur le stand d'attaque en bas. Vous prenez celle-là. Elles ne sont sûrement pas parfaites. Alors, allez-y. Je ne sais pas si la copine attend. Hein. S'il vous plaît. Non, par rapport à les déclarations, c'est juste pour rebondir sur ce que tu viens de dire. Par rapport à la déclaration du patron d'EDF, hein, que le coût de l'électricité d'origine électronique sera plus cher et aussi cher, en fait, je ne crois pas que les financiers vont le regarder avec beaucoup d'inquiétude. Je ferai une différence entre le marché domestique français et l'international. Sur le marché domestique français, si apparemment il y a une décision politique de maintenir le nucléaire, l'État subventionnera d'une manière ou d'une autre la différence, et donc les financiers viendront pour atelier, pour continuer à gagner de l'argent sur le nucléaire, tant fait pas pour eux. Donc je veux dire que là, je crois que c'est malheureusement, c'est pour ça que c'est vrai qu'il y a le mur économique, mais il y a aussi le mur politique. Et aujourd'hui, le mur politique, il est sacrément verrouillé, et pour le moment, ils ne sont pas prêts d'abandonner, à mon avis, hein, c'est l'analyse qu'elle fait, la nucléaire. C'est un peu l'esprit de notre note quand on parle du verrouillage de la technostructure, c'est ça. Et c'est vrai aussi pour la finance. Le modèle financier dans lequel on est un modèle extrêmement dangereux, pervers, qui pousse à la société de consommation, tout ce qu'on veut, à la surproduction, productivisme, tout ça, que nous combattons. Et pour autant, ce système-là va continuer pendant un moment, parce qu'il est tenu, il est protégé par la politique et par les collusions qui existent, le lien qui existe entre les politiques et la finance. Donc c'est pour ça qu'on a insisté dessus dans notre note, parce qu'on pense que c'est un point sur lequel donc, il faut être conscient et ça doit nous inspirer dans nos formes de lutte après. C'est-à-dire qu'il faut qu'on réfléchisse et comment déverrouiller ce système qui est extrêmement dangereux. La France est probablement l'un des pays au monde où ce type de verrouillage est le plus fort par rapport à d'autres pays, parce qu'il y a cette technostructure qui est extraordinairement puissante, il y a un appareil d'État colbertiste, très centralisateur, très puissant, qui est là et qu'il faut arriver à combattre et contre lesquels il faut arriver à obtenir des décisions, enfin des changements. Et ça, c'est très difficile. Il n'y a qu'un seul moyen, c'est que le mouvement social au sens large se mobilise et crée un rapport de force pour
renverser la vapeur, mais pour le moment, c'est évidemment l'espoir des scientifiques. Ceci dit, pour conclure quand même sur une note optimiste, je crois qu'on peut arriver à des résultats, on a eu des victoires sur un certain nombre de sujets, dans le domaine par exemple de la finance, dans le domaine où on se bat par exemple sur l'évasion fiscale, on a obtenu que par exemple les banques soient obligées de déclarer leur activité dans les paradis fiscaux, celui qui nous, dans leurs filiales à l'étranger, donc les paradis fiscaux. Ce qui donne aujourd'hui à la société civile un levier extraordinairement puissant pour obliger les banques à stopper un certain nombre d'activités d'évasion fiscale. On n'a pas gagné, on a gagné une bataille, comme dirait l'autre, mais pas la guerre, mais on a gagné une bataille importante. Et donc, je crois que voilà, il faut trouver des leviers, des moyens d'agir sur les points où là il y a des faiblesses dans le dispositif adverse, et il faut attaquer là-dessus. Et je crois que la seule recette, si je puis dire, s'il y en a une, c'est vraiment de se mobiliser et de travailler ensemble. Quoi. Et on peut y arriver. Le nucléaire, c'est comme tu as parlé de mur, il y a un vrai mur, mais on pourra marquer des points si on arrive à sensibiliser l'opinion publique, hein, les citoyens. Je crois que c'est ça qui est important aujourd'hui, parce que il y a vraiment là des choses qui sont inacceptables et que peut-être les citoyens ne savent pas encore bien ou sur lesquels il y a encore besoin d'informations et de propositions. Voilà. Juste un mot à dire, c'est pour moi, je crois avoir compris depuis un petit moment déjà qu'il y avait dans le nucléaire un vrai problème entre le coût et le prix. C'est une question qu'on se pose réellement, le prix qu'on paye quelque chose, est-ce que ça correspond à quel est son coût? Mais dans le nucléaire, alors là, c'est la grande dérive. Donc, si on arrive à dénoncer justement le fait que le prix qu'on paye l'électricité n'est pas du tout le coût, là, on va dans le vrai monde, je dirais, de l'économie. Là, on est sur l'économie hors sol. On n'est plus dans le bon père. Mais je ne suis pas là. Merci. Merci. Il n'y a juste pas de choix maintenant, on arrête à moins de vouloir payer quelques grosses multinationales, ça ne sert plus à rien. Ça coûte trop cher, c'est dangereux et militairement c'est inutile. Donc maintenant la seule décision pragmatique c'est on arrête le nucléaire au plus tôt.